FTS is armed for launch. Drake, SpaceX, go for launch. T-minus 30 seconds. Stage 1 tanks pressing. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Putain, j'entends rien, attendez les mecs. Chut. Et salut tout le monde, bonsoir, bienvenue dans ce petit live des familles, un live comme on les aime, un petit Starlink. Merci pour les sons, désolé pour le petit bug, Alexis qui nous rejoint pile au début du live, c'est pour ça. Salut l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bonsoir, un départ Starlink 25, départ Kennedy Space Center, comme d'habitude sur une Falcon 9. Et voilà, comme vous l'entendez, je suis accompagné de Ellie et Alex. Salut Alex. Salut. J'arrive tout de suite les gars, attendez, j'arrive. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien pour ce live. Excusez-moi, j'arrive au moment où tout le monde commence. Il arrive pile au moment où je lance ce live, du coup c'est un peu foiré l'intro, désolé. En tout cas, salut à tous. Merci d'être déjà nombreux. Gros bisous, gros coucou général. Moi, je vous ai pas vu tout à l'heure hein, pour le faux espoir de SpaceX comme d'habitude. Le faux, ouais, exact. Du coup, voilà. Comme d'habitude. J'étais au taf et là du coup on repart sur un live Starlink et je vais mettre SpaceX quoi. Ouais. Et puis voilà, salut, ça y est, on voit ta petite bonsoir bouille. Bonsoir tout le monde. Ouais, je vais répondre vite fait aux gens dans le chat qui étaient déjà nombreux. Merci à vous d'avoir été d'être resté quand même parce que depuis tout à l'heure vous attendez et franchement ça fait plaisir. Ok, bah bonsoir à tous en tout cas, merci de nous rejoindre. Ouais. Sur ce live qui était en tout cas prévu hein, de base, hein, donc bon, ça change pas trop nos plans malgré le fait que SN15 on a encore fait voilà. Des siennes. Mais écoutez, on est très content de vous retrouver. Voilà, tous ensemble, enfin en tout cas une partie de l'équipe. Donc c'est cool. Salut René, alors oui, on a des nouvelles des catastrophes, t'inquiète pas, ils sont tous sains et saufs, ils vont très très bien. On a eu des petites photos, on a eu plein de choses, donc tout va bien. Des belles photos, ouais, de Thomas Pesquet. No problem. Il fait des photos de la France. Non, mais il parlait surtout des astronautes qui sont venus avec Rouen. Voilà, donc comme d'habitude, on va déployer 60 satellites Starlink, donc pour la méga constellation de SpaceX, de Elon Musk, pour le réseau internet partout sur la planète, à une orbite de 550 km, donc on parle d'orbite basse là. Je vous rappelle que l'objectif est quand même de 12 000 satellites hein, pour le moment. 12 000 pour le moment, mais ça va jusqu'à 40 000 et quelques à la fin. 43 000, je crois. Et donc pour le moment, on a quand même 1438, je regarde les chiffres quand même pour pas dire n'importe quoi, Starlink en orbite pour le moment autour de notre planète. Et ce soir, on en aura 1498. Ah, Alex, t'as quand même. Mm-hmm. Je la remettais parce que je buvais de l'eau, je vais pas montrer. Attendez, je reviens juste parce que j'ai mon petit fond vert qui prend en vrille, j'arrive. Attendez. Hop. Ouais. Quand même, pas que ça soit moche à voir. Et on est bon. Je te laisse tranquille après. Et donc il y a une demi-coiffe qui est neuve et une demi-coiffe qui a déjà volé. On vous rappelle que Starlink récupère les demi-coiffes. SpaceX, pardon. Tout à fait. Et je sais pas si t'as précisé que c'était le 9e vol du booster aujourd'hui. Ouais. Donc là, c'est son dernier vol. Hein. Après, il part à la casse, même s'il se repose. Ils vont quand même le récupérer, mais il le réutilisera plus parce qu'on vous rappelle que l'objectif c'est 10 vols pour le moment. Même si je pense qu'ils peuvent en faire plus et à mon avis, ça ira. Ça tendra à aller plus loin après. Tout à fait, ouais. Voilà. Une barre ce soir qu'on connaît bien, hein. Of course, I still love you. Ouais, et pour les demi-coiffes, c'est Shelia Bordelon qui va s'occuper de les récupérer à 700 km. Exactement. Voilà, donc on va y aller tranquillement, on a des petites images à vous montrer, là on a une heure à attendre, donc mettez-vous à l'aise, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, les amis. Ouais, moins d'une heure, ouais. La grandeur des satellites Starlink. C'est intéressant comme question. Ouais. Intéressant. Je vais aller voir. Ils sont assez grands les Starlink. Sur moi, mais ils sont assez grands. Ça a l'air d'être extrêmement grands non plus. Ils font une taille de 1,1 m par 70 cm par 70 cm. Ils sont pas extrêmement grands en fait. Ouais. En vrai, ils sont assez lourds quand même. Nos solaires de 2 mètres, de 2 x 8 mètres déployés en orbite. De 16 mètres carrés quoi. Ah oui, merci petit biscuit, pardon, il a fait 8 vols et c'est son 9e vol. Pardon, c'est pas pour 9e... moi. Ouais. Il a volé sur Telstar 18V, Iridium 8, Starlink, un des premiers sur Starlink.
Starlink 2, Starlink 7, Starlink 10, Starlink 15 et Starlink 17. Voilà, ça en fait. Voilà, donc il en a fait. Hein. Ouais, ça en fait des Starlink. Il en a fait le petit coquin. Ah. Et c'est pas fini. On espère d'autres qui vont venir. Donc déjà, ouais, 10 vols, cool. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même le progrès que c'est quand même dans le spatial, parce que au lieu de construire quand même 9 fusées, ils l'ont utilisé 9 fois, quoi. Enfin, ils vont l'utiliser 9 fois et presque quand même 10, du coup. Ouais, je pense qu'ils vont aller au-delà de l'objectif, pour moi. Ouais, on va voir, hein. Moi, je trouve que c'est quand même une belle avancée. Avec les échantillons et toutes les choses qu'ils ont fait. Alors non, René, les échantillons et l'expérience, enfin tout ça, c'est dans la station et puis c'est en coopération avec les agences et les équipes au sol. Donc ils ramènent pas d'expérience. Hein. Pour moi, de mémoire, ils en ramènent pas. Hein. Peut-être quelques-unes, peut-être. Non, il y a peut-être quelques-unes qu'ils en ont peut-être. Ils en ont peut-être ramené quelques-unes, mais je pourrais pas vous dire lesquelles. Salut à CAF. Salut Guillaume. Par contre, pour le Starlink du 9 mai, ce sera le 10e vol. Ah ouais, bon, là, c'est là qu'on va voir si justement ils arrêtent ou pas le booster en question. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas été trop frustrés par tout à l'heure. Alors, sachez qu'une notice a été envoyée pour demain aux habitants. Okay. Donc, on est reparti sur la même hype pour SN15. J'espère que cette fois-ci, ça ne va pas scrub. Mais ouais, là c'est scrub au bout de 20 minutes de live. Hein. C'est scrub très prématurément, quoi, c'est dommage. Et surtout que moi je pense qu'ils auraient eu le temps de réagir derrière. Ah. Oh, t'as bugué. Ouais, tu bugues un petit. Ouais, tu bugues un peu, attention. Moi, si vous avez pas tant. Ah bah ouais. J'ai même le live qui bug là. Ouais. C'est ta connexion. Ouais, Alex, c'est là. Allô. On m'entend? Ouais, t'inquiète. Ouais, on Du coup, je dis. Ça coupe un peu des fois. Je vais répéter. Bah, pourtant, je suis en vert chez moi, je comprends pas. Je disais, pour ceux qui, du coup, m'ont pas entendu, il y a une nouvelle notice d'évacuation qui a été envoyée pour les habitants de Boca Chica demain. Et ça devrait le faire normalement, on espère, mais moi ce que je comprenais, c'est pourquoi ils ont pas évacué plus tard, quoi, ce soir. Ils avaient 7 heures devant eux à faire, donc j'ai pas compris. Décollage 21h01, les amis, dans une heure, voilà. C'est bon, Lucas est bronzé. Ouais, ben je travaille dehors en ce moment, il fait beau, donc j'ai pris des couleurs. Bon, après, il y a quand même ma cam là qui me rougit vachement, je suis pas autant bronzé normalement. Mais je commence à l'être un peu là. Tu te prépares pour l'été déjà? Ouais. J'anticipe, moi. J'anticipe les plages. Les bronzages de l'été. J'anticipe les terrasses de bar. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on est presque 100. Donc, si vous avez des petites questions sur plein de choses, hein, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas, les amis. Ouais. On est là pour y répondre sur la mécanique spatiale, sur les fusées, sur tout. On est dans tout, quoi. Tranquillement. Je vous rappelle que la fusée de ce soir fait 70,1 mètres de haut. Ouais. Et qu'elle aura une masse au décollage de 538 tonnes, enfin ça peut changer, enfin de toute façon vous commencez à connaître un petit peu les dimensions de la Falcon 9, hein, 3,6 mètres de diamètre. Ça peut changer en fonction des ergols embarqués, en fait. Exactement. Et de l'altitude visée. Ouais. Salut Agathe, ergol comme d'habitude, hein, kérosène hyper raffiné avec de l'oxygène en liquide. En carburant, et l'olox en carburant, tout simplement. C'est ça. On refroidit tout ça. Parce qu'on peut pas emmener de l'air. Vu qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, on est obligé d'embarquer tout ça dans notre fusée. Donc, exactement. Vous n'êtes pas sans savoir, qu'une combustion, pour qu'elle se crée, on a besoin qu'elle se fasse. En tout cas, on a besoin d'oxygène. Donc, on met de l'oxygène à bord de la fusée. Et qu'est-ce qu'on fait? On le refroidit pour pouvoir en mettre plus. Pas de décollage le 19 mai, on espère. Pourquoi Agathe n'est pas là? Parce que la météo était dégueulasse sur le SN15. Il atterrit et ne pouvait pas passer la nuit. Donc... C'est ça, exactement. Ouais, il a raison, Romain, c'est ça en fait. Le problème, c'est que la météo était mauvaise pour plus tard. Et que s'il y a des vents très forts, même en utilisant la puissance de ses Raptors, le SN15 aurait penché, aurait peut-être basculé. Imaginez, on le perd comme ça, c'est quand même une catastrophe. Quoi. Quel est le but du lancement? Alors, on envoie des satellites. Ça doit saouler les habitants de Boca. On envoie des satellites pour une constellation. Donc, en fait, une constellation de satellites, c'est comme une constellation d'étoiles, c'est plusieurs satellites dans le même but. C'est, le but, ça va être de couvrir le globe entier d'une connexion internet très haut débit. Donc voilà, on en est plus de 1000 lancements.
Enfin, 1000 Starlink. Ah, les barres, ok, Agado, là. Okay. Ah, les barres. Et à quand Welcome avec une casquette Astro Alex? Bah écoutez, je vais en commander une. C'est prévu. C'est en préparation. Ouais. C'est prévu, hein. Vous êtes pas sans savoir qu'on a lancé, pour ceux qui sont pas trop sur le live, ça y est, on a lancé la marque de vêtements Astro Alex. On a fait la première collection, donc une collection assez simple avec le logo. On fera d'autres collections, on fera des petits sweet collector aussi. Il y a un peu de tout, il y a des coques de téléphone, des débardeurs pour les filles, enfin il y a du fille et il y a du garçon, il y a du mix aussi, et puis il y a des petits accessoires, donc n'hésitez pas si ça vous plaît de passer en privé sur Insta, Twitter ou Facebook pour nous demander vos commandes. On a déjà envoyé à quelques personnes là, donc on attend les retours pour voir si c'est cool. Et si vous voulez voir la collection, je vais vous la montrer là, et puis on a une vidéo sur la chaîne qui présente un peu toute la nouvelle collection. Salut François. Je vous mets le teaser hein, pendant qu'on parle. Tac. Ouais, même et les nombres de satellites, c'est 60 ans. Il est plus trop d'actu puisque les prix ont un peu changé, donc faites attention. Les prix ont légèrement changé hein, parce que on commence à se faire taxer, etc. Donc on a augmenté un tout petit peu nos prix, mais c'est pas aberrant, donc vous inquiétez pas. On n'est pas là pour. On cherche pas à faire énormément d'argent, je vous avoue, sur les vêtements, parce que de toute façon, si on voulait faire beaucoup d'argent, on serait obligé de vendre nos pulls 100 euros. Donc. Enfin, une centaine d'euros, donc c'est vraiment juste pour vous parce que vous nous l'avez demandé, et pour nous ça nous fait un peu une pub aussi quand vous les portez, donc je trouve que c'est sympa. Oui, voilà. Et la boutique est en train de se faire, on est en train de faire ça avec Vincent qui fait ça très bien, on est en train de faire tout le site internet où vous pourrez directement acheter, etc. Donc vous verrez, c'est au top. Et puis juste, on arrête de parler deux secondes, vous allez avoir la petite présentation vocale, et on arrive. Ça y est les amis, nous lançons enfin la marque de vêtements et accessoires. On est en train de développer la boutique en ligne, donc malheureusement pour le moment il faudra qu'on passe par d'autres moyens de paiement, car pour le moment on n'a pas les autorisations pour vendre des articles. Et donc pour ça c'est très simple, comme vous avez pu le voir dans le teaser, chaque vêtement porte un nom d'une étoile. Et donc si un des articles vous plaît, il suffira de faire un don avec le nom et la somme de l'article. Pour les infos privées, on vous invite à passer par Instagram, Twitter ou Facebook. Vous étiez vraiment nombreux à nous demander des vêtements, alors voilà, on l'a fait et on espère que ça va vous plaire. Et re les amis, donc voilà, j'espère que ce petit teaser vous a donné envie de prendre une petite un petit accessoire ou un vêtement de chez nous, voilà. Ouais, de vous procurer un peu de la marque et de l'avoir sur vous, quoi. Ce qui peut être cool, même pour vous, ou même plus tard, quand on aura peut-être des rencontres abonnés, ce genre de choses, donc ça peut être cool. Je fais ça pour toi, chat. Un petit Marcel pour Welcome. Avec la casquette, c'est vrai qu'un petit Marcel, ça tirait bien, un petit Marcel. Hein. Ouais. Avec mon PPL là, mon truc de camionneur, je sais pas quoi là, vous m'avez dit. Le permis poids lourd. Non, ça va aller, vous inquiétez pas, je vais m'en passer. Là, ce jour là. Tac, je prépare juste la webcast. Est-ce que vous faites juste un autocollant? C'est vrai qu'on fait pas de stickers, je crois. Je voulais en faire, moi, ça m'avait tenté. On m'en a parlé aussi, on me l'a conseillé autour de moi de le faire. C'est une très bonne idée. Je pense peut-être que... pour la prochaine collection, peut-être. Ouais. Ah ouais. On va regarder ça. Ça peut être pas mal. Que les amis, que plus tard, quand on va atteindre les 10 000 abonnés, donc partager un maximum la chaîne, on pourra intégrer. Ça, il veut vraiment l'onglet. Ah, vous m'entendez pas? Allô? Le live bug? Ouais, c'est assez entendant, mais. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est bon. Mais des fois, il y a des petits bugs. Bah ouais, non, mais ça vient pas de moi, les gars. Bon, alors je vais couper le live, je vais couper des trucs, hein, mais hop, je coupe le live. Du coup, si vous m'entendez, normalement à 10K, on devrait avoir normalement la possibilité d'avoir une boutique sur la chaîne. En fait, une boutique, un onglet boutique sur la chaîne YouTube. Et donc, ça vous permettra directement, depuis la chaîne, de parcourir la collection et de commander ce qui vous intéresse. Mais en attendant visualiser ce qui vous intéresse. En attendant les 10K, on fait ça avec un site internet, ce qui ça va tout aussi bien. Ouais. Ok, vous m'entendez bien, d'accord. Bah je crois que ça vient d'Eli en fait.
Non, là, ça, là je t'entends mieux, ouais, c'est peut-être moi, des fois j'ai des petits bugs. Combien coûte un Starship? Aucune idée, Christophe. Aucune idée. Ouais, on n'a pas c'est... de. On a vraiment aucune communication vu que c'est en développement là, c'est. Voilà, c'est. Un peu compliqué. C'est pour demain, ouais, on espère, écoute, Lorenzo. Normalement, ouais. Salut, Chris. Normalement, on devrait avoir un SN15 pour demain. Si ça se passe bien. Normalement. Bref. Si tout se passe bien, ouais. C'est vrai que là, SpaceX quand même, bref. Ouais. C'est un peu de mal. Et donc SpaceX devrait vraiment prendre l'antenne à 21h. Je pense qu'ils vont prendre l'antenne un peu plus tôt parce que le décollage est prévu à 21h. Oui, avant, ouais. Et je vous rappelle que c'est, je sais pas si Lucas vous l'a dit, mais on va décoller du pad 39A aujourd'hui, Kennedy Space Center en Floride. Donc le même pad hein, qui a vu la fusée de Thomas Pesquet s'envoler le 24 avril. Voilà, la Falcon 9 de l'époque. Voili, voilou. moi je vais me remettre le chat parce que du coup je l'ai plus. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ouais. Et en tout cas, après les amis, pour les prochains événements, donc du coup il va y avoir Starship sur la chaîne, quand il voudra bien partir. La semaine prochaine, on a le départ d'une sonde de la NASA qui est Osiris Rex. C'est hyper intéressant, une sonde qui va partir d'un astéroïde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, ça va être balèze. Ça va être un truc de fou. Et on va vivre ça ensemble la semaine prochaine, à peu près dans les mêmes horaires, le 10 mai. Ensuite, on aura une Electron, ça va faire plaisir à Lucas, qui va partir pour si la mission Running Out of Toast. Donc le 15 mai, c'est un samedi, je crois. Moi, je pourrais être là normalement, donc tant mieux. Ouais, c'est un samedi à 11h30. Ensuite, on va avoir un rover chinois qui va atterrir sur Mars. Ensuite, on va avoir le tir statique de Ben 2 ou peut-être SN16 qui va s'intercaler entre eux. Ensuite, on va avoir OneWeb, il y a une Soyuz. On va avoir un cargo SpaceX, donc CRS-22. On va avoir aussi peut-être le vol de Ben 2.1, hein, ou Ben 3, ça dépend comment vous l'appelez. Le désamarrage de ouais, pièces. C'est chargé ce mois-là. L'année, on aura. Non, c'est pas que le mois, là, c'est les prochains mois, quoi. Et plus tard dans l'année, on a Inspiration 4 en septembre, que j'ai déjà planifié. La première mission 100% privée opérée par SpaceX. Salut de Reb, ça va super et toi? Alors, ouais, c'est bien SpaceX qui finance tout, hein, étant donné que c'est ses satellites, enfin, c'est sa fusée, ses satellites, etc. Donc, c'est SpaceX qui finance absolument tout le lancement. De A à Z, là, c'est SpaceX. Ouais, ouais là, c'est full SpaceX ce soir, donc ouais. Voilà, une soirée SpaceX, hein, comme dit de Reb. Et du coup, pour ce soir, les amis, quand même, soyez vigilants parce qu'il y a des chances de pouvoir observer le train de satellite. Étant donné que vous savez très bien que du coup les Falcon 9 pour les lancements de Starlink partent vers l'est, donc vers chez nous, ils passent environ sur le premier tour du lancement, ils passent au-dessus de entre le sud de l'Angleterre et le sud de la France environ. Et puis à la deuxième orbite, ils passent aussi pas très loin, ce qui fait que ce soir les OR sont pas déconnants et on peut éventuellement observer. Je suis en train de regarder en direct, c'est un peu couvert mais ça devrait bouger. Donc n'hésitez pas à installer des applications pour voir ça, vous tapez application de suivi satellite, etc. Et satellite tracker qui est très bien par exemple, et ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce qu'il y a vraiment des chances de pouvoir le voir ce soir en direct. Ah mais je sais, Chac, t'es le fan numéro 1, mais derrière toi il y a Lucas quoi, voilà, vous êtes le top 2. Ça va et toi Nathan? Et spatial a pas de limite. Ah bah ouais, Karim, hein, c'est pour ça qu'on est là et c'est que ça va faire que de s'amplifier et c'est ça va être passionnant à suivre quoi. Ouais, on a de la chance, vous avez de la chance, on a de la chance. En ce moment, il y a quand même une belle ruée vers l'espace. Hein. Enfin, elle a toujours été là, mais en ce moment, avec les entreprises, ouais, avec les entreprises privées, ça a vachement permis de faire bouger les choses. Ça a accéléré la dynamique quoi, on va dire. Alors, bonsoir tout le monde. Non, c'est bout, t'es en retard. Sidra, bonsoir. Oh, cette fusée. Ah, si. Sea Dragon, oh là, ça c'est. Bon, elle n'a jamais existé, hein, mais bon. J'en parle pas de cette votre fusée là, mais t'en sais un peu plus. Sur la Sea Dragon, en fait, c'était une fusée qui devait décoller. C'est une fusée qui devait décoller depuis la mer, en fait. Et c'était la fusée la plus grande et la plus puissante du monde, mais c'était trop monstrueux pour être fabriqué. C'était vraiment, en fait. Elle devait être emmenée par bateau, hein, en fait. Je crois que le moteur de la fusée, c'était la taille d'une Vega, par exemple, ou d'une fusée ce style. Ça dit tout que la taille du moteur de la fusée, c'était. Oui, non, mais clairement, oui. Oui.
C'était juste incroyable. C'était dans les années 70 qu'ils ont imaginé ça, je crois. C'était les États-Unis avec la NASA, mais ils ont vite abandonné parce que c'était impossible de réaliser tout ça. Une fusée qui décolle sous l'eau, voilà, c'est un peu compliqué. Des nouvelles bon, on sait faire. 15, hein. Ouais. Ça décolle demain, ouais. Titus. Normalement. Normalement, ça décolle demain. Après, les fusées qui... il y avait des fusées qui partaient. Vas-y, excuse-moi, Ellie, je te laisse finir ton petit discours. Okay. Mais tu sais, on avait des lanceurs qui décollaient depuis la mer. On avait Sea Launch, par exemple. Il y avait une plateforme et qui est au milieu. Mais je crois que tu t'en rappelles ça. Mais bon, ils ont fait faillite. Hein. C'est une entreprise russe. Moi, je te laisse finir. Hein. Ouais. Alors, même si je déteste que Rocket tire depuis les USA, alors c'est vrai qu'ils ont une base en Virginie. Jusqu'à présent, je crois qu'on les a vus tirer essentiellement de la Nouvelle-Zélande. Et peut-être que la neutron va être amenée à être tirée depuis les USA. Vu la que ça neutron, va être un c'est ça. Marché. Ouais. Et la neutron, effectivement, je vous rappelle, c'est la nouvelle fusée que Rocket Lab a annoncée il y a quelques semaines, qui va un peu concurrencer, on va dire, la Falcon 9, même si c'est pas vraiment la même taille. C'est 45 ou 50 mètres, je crois, une neutron. Ah si, c'est un. En fait, ça fait partir des lanceurs moyens. Et la Falcon 9, elle fait partie de ces lanceurs. Donc il va y avoir une concurrence, et oui, ça sera tiré. Non, coup, plutôt un lanceur lourd, mais plutôt comme une Soyouz, disons, on va dire. Une alors, Soyouz un peu aussi. Oui, de Bretagne ce soir, voilà. Vous pourrez sûrement voir les Starlink. Tout dépend de la météo. Si vous avez des nuages, ça sert à rien, les gars. C'est vraiment avoir un ciel dégagé et attendre un petit peu le temps que ça fasse les orbites, genre au moins une orbite. Je sais pas, René. Faudrait leur poser la question directement. C'est vrai que le lieu est pas très pertinent, surtout que vous avez une saison des ouragans en fait entre. Avril et novembre, entre mai et novembre, et là après, on va en fait, et ça c'est un peu relou pour les vols de Starship. Il fallait un endroit isolé en fait, parce que les lancements il va y en avoir énormément, et il fallait vraiment un endroit isolé où il n'y a personne. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu choisir par exemple un désert. J'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà l'isolement, quand tu dis un désert, il faut quand même qu'ils trouvent un endroit pas très loin des États-Unis, parce que je pense qu'il y a pas mal de pièces qui sont, elles sont pas toutes faites sur site, donc faut les amener. Et puis à mon avis, ils l'ont quand même bien calculé. Hein. Ils l'ont réfléchi. Mais par contre, il me semble qu'une zone va être aménagée sur le pad 39A, notamment pour Starship. Donc à mon avis, après, peut-être qu'à terme, s'ils voient que Boca Chica, c'est très contraignant en termes de météo pour faire beaucoup d'envois, parce que je vous rappelle que le but, c'est de coloniser Mars, en fait, hein, concrètement, d'envoyer plein de Starship chaque jour, voilà, mais dont peut-être 10-15 ans. Dès qu'il y en aura un petit peu. Mais disons que Starship, après, va pouvoir être lancé depuis d'autres bases, d'autres spatioports, on va dire, dont le Kennedy Space Center. Donc, et SpaceX a déjà loué une zone là-bas, enfin pas loué, mais réservé un emplacement sur place pour faire tirer ces Starship. Donc, alors, on verra après ce qu'ils vont décider. Alors, Alexandre, c'est une bonne remarque que tu fais là par rapport à l'emplacement du site de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Donc oui, pour un décollage depuis l'équateur, ça fait loin, effectivement. Enfin, pour utiliser la rotation de la Terre, vous savez qu'on met les pattes de tir le plus proche de l'équateur possible, parce que c'est là où la Terre tourne le plus vite. Mais du coup, ils visent pas forcément des orbites équatoriales chez Rocket Lab, ils visent des orbites polaires déjà, donc c'est beaucoup plus facile. Même une orbite inclinée par rapport au pôle, ça marche. Par contre, les orbites équatoriales, c'est plus compliqué. Mais de toute façon, c'est du micro-satellite, hein, nano-satellite, donc c'est pas non plus les mêmes objectifs que sur ça des lanceurs spécifiques. Ça va pas au-delà de 250 kg, quoi. Hein, alors qu'une Falcon 9 de SpaceX, ça va moi jusqu'à 10-15 tonnes, si je me trompe pas. J'ai plus la capacité en tête, mais. Capacité d'envoi. Ouais, c'est entre. D'une Falcon 9 ? Ouais. Alors je vais te dire, je l'ai plus en tête non plus. Donc orbite basse, c'est entre. Au max 22,8 tonnes. Ça dépend du lanceur. J'étais loin. Ouais. Mais c'est en général, c'est du 1-1 et c'est du 13 tonnes, tu vois. Et orbite héliosynchrone, on est sur du 7 tonnes. Ouais. Et géostationnaire, on monte jusqu'à 8 tonnes, quoi. Donc voilà. Donc, après, c'est des orbites. Comment ? C'est des orbites polaires souvent, et en plus là où ils fabriquent les lanceurs, c'est aussi en Nouvelle-Zélande, donc il n'y a pas de problème pour ça. Après peut-être que la neutron va du coup être conçue pour la neutron va être conçue et fabriquée aux USA, peut-être, donc c'est peut-être pour ça que Virginie a été le pad là a été choisi, c'est ça. Alors Gilles, ça craint, je sais pas si ça craint, mais il y a pas mal de critiques sur les Starlink, effectivement. Nous, on live parce qu'il faut live, et puis que c'est quand même un lancement de fusée. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler et que les astronomes commencent vraiment à tirer... À se plaindre, quoi. Ouais, ce qui est carrément compréhensible, effectivement.
Il y a peut-être des solutions déjà. Boca a été choisi après l'appel d'offres. C'est l'État qui a fourni le plus de thunes à SpaceX. C'est l'État qui, ouais, bah ouais, le Texas les a accueillis à bras ouverts, quoi, bras ouverts. Bah mine de rien, si on doit voir un peu les bons côtés des choses pour un site comme ça, c'est que ça amène énormément de personnes sur un endroit qui était plutôt désert. Donc vous allez avoir énormément de touristes qui vont aller voir, comme nous par exemple, dès qu'on pourra y aller, je pense qu'on va aller voir des tests, hein, si on a l'argent, etc. Les magasins qui vont pouvoir ouvrir parce qu'il va falloir nourrir tout le petit beau monde qui travaille chez SpaceX. Le cinéma qui, enfin, ça ramène énormément d'emplois, je pense. Mais déjà, il y a un restaurant qu'ils ont commencé à construire pas loin et qui prévoit d'ouvrir quand les touristes étrangers vont revenir aussi. Donc, ils sont en train de développer toutes ces activités-là. Moi, honnêtement, je pense que ça peut être pour quelqu'un qui veut investir quelque part. Je pense que d'ouvrir un petit truc en mode touristique. Où vous apprenez un peu tout le spatial de SpaceX, ils vous montrent les locaux et tout, vous ouvrez un petit truc là-bas de touriste, à mon avis, vous faites des coronets en or. Ah oui. Là, c'est un bon investissement à faire. Là. Ah, là-bas, je pense que ça va. Ceux qui prévoient, qui ont envie de monter une affaire, là, enfin, moi, je vous conseille d'y aller. Hein. C'est clairement. En fait, je pense qu'il faut juste, voir dans le futur, mais il faut quand même vous dire que Boca Chica, ça risque de devenir l'endroit sur Terre sur lequel on va aller pour aller sur Mars. Donc bien sûr, on parle dans des dizaines d'années, on est bien d'accord. Bien sûr que les terres vont prendre de la valeur. Ah bah là oui. Tombé, quoi. Je trouve ça dingue que le nombre de satellites qui vont être autour de la Terre et personne ne dit rien, même sur la santé. Après le problème, Grégoire, c'est que chaque pays a ses propres lois là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concertation, mais ils sont en train de travailler. Certains pays travaillent, planchent déjà sur les sujets. Mais en fait, il n'y a évidemment pas de concertation. Donc, tant qu'il n'y aura pas de concertation, en fait, on continuera d'envoyer des débris, etc., des satellites. Mais la France, par contre, petit coucou écho, a été la première à mettre en place ce genre de législation, notamment grâce au CNES, et pour la limitation de débris, puisque eux, ils ont vraiment une station où ils suivent tous les débris en fait en temps réel à Toulouse. Et donc, il faut évidemment que tous les autres pays aillent dans ce sens, mais ça va prendre du temps. Hein. Bah, parce que la plupart des pays ils respectent pas tous les engagements après pareil par rapport à ça. C'est chaque gouvernement, j'ai envie de te dire. Enfin voilà, le problème c'est que chaque gouvernement a ses spécificités, donc il y a pour l'instant pas d'agence spatiale mondiale, mais peut-être qu'un jour on va être obligé d'en créer une pour emmener des hommes sur Mars par exemple, ou enfin une coopération comme ça. Comme l'ONU version espace. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, ça découlera pour les satellites et les autorisations et les limitations, etc. Alors Titus, exactement en fait. Ouais. Quand tu décolles depuis l'équateur, tu bénéficies déjà d'une vitesse d'un peu plus de 1000 km/h, étant donné que la Terre tourne un peu plus de 1000 km/h sur l'équateur. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'envoyer une fusée vers l'est sur l'équateur que d'envoyer une fusée vers l'ouest sur l'équateur. Ça c'est logique, c'est la force centrifuge en fait. Ah oui, donc des infos sur la fusée chinoise là qui va faire une rentrée atmosphérique incontrôlée. Voilà, ils ont juste, c'est un peu comme la Falcon 9 la dernière fois, le deuxième étage. Hein. Elle va se consumer. Avec un peu de chance, ça le fera au-dessus de chez nous. Ça serait cool. Je t'avoue que je sais pas du tout où elle va arriver. Faudra ouvrir l'œil, on sait jamais. Hein, si ça serait beau. Hein. Pour ceux qui avaient vu les images. Village. Ah, y a personne. Ouais, vas-y. Ouais, bah en fait, y a eu personne. Après, les employés et tout, ils vont à Brownsville en fait. C'est la vraie ville la plus proche. C'est ça, Brownsville. Ça, c'est la ville la plus proche dans le comté, quoi. Voilà, et ils sont en plein développement du coup avec SpaceX. Ce qui est de plus en plus d'employés. Il y a 6 habitants à Brooklyn. Non, il y en a plus que ça. Il y en a un peu plus maintenant, mais il n'y en a pas non plus des masses. Hein. Il y en avait 40 ou 50, je crois, à l'époque. Ils ont proposé de racheter les maisons des habitants pour un prix exorbitant, hein, pour vraiment leur dire, bon, bah, on ne veut pas vous embêter, donc pour le coup, on vous fait un petit dédommagement, on prend votre maison fois X fois sa valeur. Et il y en a quelques-uns qui ont voulu rester quand même, les irréductibles. Comme Marie et Maria qu'on suit sur Twitter, qui nous donnent toutes les infos, en fait, grâce à elles, on suit ce qui se passe et on sait à peu près quand est-ce qu'un Starship peut potentiellement voler. Mais je crois qu'il n'y a que 10 ou 15 habitants qui sont restés, un truc comme ça, mais c'est que dalle. Hein. Combien de satellites seront envoyés? Il y en a 60 ce soir, ça décolle à 21h01 et va-t-on voir Crew Dragon passer au-dessus de la Belgique? Alors je vois pas de quel Crew Dragon tu veux parler. Et puis si tu parles de la Crew Dragon de Pesquet, elle est amarrée à l'ISS, donc
Là, il y a compliqué. Ouais, c'est l'ISS, c'est court. Je pense qu'il voulait parler de Crouane, mais Crouane est revenu quand même dimanche, hein, les gars. Si vous étiez sur la chaîne, en fait, je viens de voir que les vents étaient pas du tout favorables à la procédure de récupération. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour SN15. Donc, voilà. La raison pour laquelle ça n'a pas décollé ce soir. Merci, SpaceX. Mais sérieux, les débris, c'est rien. Pièce. Salut, Arnaud. Qui écoute d'une Falcon 9 et d'une capsule Crew Dragon. La Falcon 9, je vais te dire, Crew Dragon, je peux pas te dire en soi comme ça. Mais pour la Falcon, je peux te donner le coût. Je vais te dire ça, toi. Je pense qu'on est aux alentours des 50 ou 30 millions, un truc comme ça. Tu parles de quoi, Christophe? Pourquoi tu parles? Pour la Falcon. On est à 50 millions pour de dollars. La Falcon, ouais. Non, mais Romain, t'es large. C'est un PC, hein, depuis. Hein. Romain, t'es large. Hein. On est à moins de 50, je pense. Oui, t'inquiète, Romain, ça part en fait. Non, mais Romain, on est vrai, on est sur Starlink là, on n'est pas sur la SN15, attention. Hein. Salut Elodie. Salut Elodie. C'est vrai que pour en revenir aux débris spatiaux, quand même, ça commence à devenir un sacré problème et je pense qu'ils vont commencer à s'en occuper. Crew plus Falcon, 180 millions pour 4 passagers. Ah, ok. Tu la tires d'où ton info, Jura? Albin, là. Attends, les nouvelles du projet Longue Marche 9 des Chinois. Je t'avoue, j'ai pas regardé, Nicolas. Les Chinois, en fait, le problème, c'est qu'ils communiquent pas vraiment sur leur fusée. Ils sont très discrets. Mais ils agissent très très fort. Donc, attention à eux. Hein. Ouais. Starship, il n'y a pas de nouvelles. Bah écoute, si, Grand Giro, ils n'ont pas pu récupérer le Starship puisque des vents auraient été trop élevés au moment où ils auraient souhaité tirer et une notice a été envoyée pour demain aux habitants. Donc, bis repetita, on espère que ça va cette fois partir. Ouais, ça va être tranquille, Romain, t'inquiète. Hein. 22h30, c'est bon, hein, on aura le déploiement, tu vas pas te coucher tard. Hein. Tenez, je vous montre les boosters, là. Ouais. Donc ça, c'est tous les boosters, pour le moment, que SpaceX utilise. Donc vous avez dessus une petite... merde, comment ça s'appelle, une légende qui vous montre un petit peu à quoi ont servi tous les boosters. Je vous rappelle que les boosters avec un cône au-dessus, c'est les boosters de côté des Falcon Heavy. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'elles ont un code. J'ai pas l'image assez, moi, c'est affiché. Et donc aujourd'hui, le booster qui vole, c'est le B10499 que vous voyez tout à gauche de votre écran et qui a déjà volé 8 fois et qui a quand même emmené 372 Starlink en orbite. Enfin, 372 satellites, hein, pas forcément. C'est un bon rassurant. C'est quand même beaucoup, c'est la plus grosse perf en fait hein, de tous ces boosters qu'on voit là à l'écran. Et vous voyez qu'il y a des boosters NASA, donc les boosters NASA c'est pour d'autres missions, c'est aussi pour... C'est pour du Crew Dragon. Les Crew Dragon, pour les Crew Dragon, hein, ouais. Les missions habitées. Ouais. Et sinon évidemment comme vous disiez Lucas, les deux boosters à droite, là, les BD-64-65, ce sont ceux réservés à la Falcon Heavy et comme le 52-53. C'est marrant parce que vous voyez, ils les noircissent un peu comme, comme en vrai quoi, par rapport à leur ancienneté. Ouais. Notre illustrateur, en tout cas c'est Rick Lan hein, qu'on remercie, qui nous a autorisé gentiment à vous montrer ça. En gros, il reproduit vraiment l'ancienneté du booster, l'historique de ses rentrées successives. Et du coup, grâce à cette image-là, on voit qu'il y a deux Falcon Heavy. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Bonne remarque. Dont deux, dont les 64-65 qui n'ont jamais volé. Bah oui. Donc, du coup, ce sont les prochains. Voilà, parce que pour l'instant, on a eu qu'une seule Falcon Heavy qui a vraiment volé. Alors, Christophe, les débris, c'est un. Les débris, Christophe, c'est un très gros souci. Hein. Il y en a énormément. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans la mer, un débris, s'il rentre en collision avec un autre débris, ils vont se repousser. Dans l'espace, si un débris rentre en collision avec un autre débris, il y a une réaction en chaîne qui va se mettre en place, qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et là, tu peux te retrouver avec une orbite tellement encombrée qu'on ne pourra plus décoller pendant des dizaines d'années. On ne pourra plus envoyer rien. On ne pourra rien envoyer dans l'espace. Un peu dans ce qui se passe dans Gravity.
Excuse-moi Nathan, j'ai pas mis à jour le multistream, je vais te le faire maintenant. Excuse-moi, je répondais à Nathan dans le chat. Et Gildas qui disait, intéressant, pourquoi le BD66 est sans lambe et tout. Je sais pas compris, ou c'est sans jambe peut-être qu'il voulait dire. Lambe le booster en le, question. Le BD66, il est où? C'est lequel? Je vous remets le multistream à jour les mecs, parce que du coup c'était le multistream pour Stab pour ce soir de base. Donc je vous le remets à jour. Ah oui, le 66, il a pas d'atterrisseur, effectivement. Alors, très bonne question. Il est peut-être pas. Il se reposera excellente pas. Question, même. Il atterrira même pas parce qu'il a pas, de green feed non plus. Donc pour le Ah coup. Oui, en effet. En fait, c'est le booster central de la Falcon Heavy qui reviendra pas, celui-là. C'est bon, j'ai la réponse. Voilà. Il reviendra pas. Parce que. Ouais, ça, c'est quand il Normalement, les boosters des Falcon Heavy, on les reconnaît justement parce qu'elles n'ont pas le bout noir. Oui, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure. J'ai juste. Et le BD66, à ma connaissance, il n'est pas censé être récupéré en mer. Je vais juste répondre à deux questions. Déjà, bonsoir Laurie Tello. Très bonne question. On peut pas répondre à tes questions. Je pense qu'ils ont des grandes chances de garder le contrat, mais voilà. Et juste, on nous demande pourquoi la température de l'atmosphère est à combien de degrés vu l'état du Crouane. Alors, l'atmosphère, lui, est froid. L'atmosphère est entre l'atmosphère standard est de 15 degrés, puis plus vous montez, vous arrivez à moins 56 degrés environ, puis après ça remonte en température. Le fait qu'il soit en fait carbonisé, enfin brûlé, c'est les frottements de l'air. Je vous rappelle quand même que le Crouane est arrivé à environ 26 000 km dans l'atmosphère. Donc les échauffements thermiques, en fait, le bouclier thermique s'est échauffé avec les frottements de l'air. Hein, il a excité les molécules d'air, ce qui fait qu'elles se sont échauffées. Et c'est ça qui fait que le Crouane est carbonisé, mais c'est pas parce que l'atmosphère est à 1000 degrés. Il est à moins 56 degrés environ. Après, à 11 000 mètres. On estime à la rentrée à 2600-2800 degrés. Mais ça dépend en fait de quelques paramètres. Bon. Je vous remets à jouer le multistream. Notre live, le live de SpaceX et un live qu'on a en fait de Space Flight Now qui a une autre vue de la Falcon, donc ça peut être intéressant. Non, il n'y a pas le live de SpaceX. Hein. Le live de SpaceX, ce que vous avez à l'heure actuelle, c'est le Mission Control. Et je vais mettre aussi le Mission Control. Je veux bien aussi. T'as le lien, Vincent ? Salut, Bac. Ouais. Attends, je te file ça de suite. Ouais, je peux bien. Hop. Ouais, c'est ça, Alexandre. Il me semble que c'est ça. Et non, prochaine Falcon Heavy, c'est cet été, hein. C'est en juillet, il me semble. Hein, donc, voilà. Ah, je te l'ai envoyé. Ok, je check ça. Je vous mets tout de suite le nouveau multistream, les gars, qui est mis à jour. Hop. Normalement, si vous refaites. C'est ça, France Miaou. Merci beaucoup, AKF59. Merci pour ton don, gros GG à toi. Merci pour ton don, Karim. Karim, il donne souvent sur les lives, donc c'est un. Merci beaucoup. C'est un gars très fidèle. Merci à lui. Très gentil à toi. Comment on me sauvegarde ça, déjà? Ah oui, Alexandre, il parle du documentaire spécifique. Mais non, mais bien sûr, Thomas, bien sûr, Thomas. On voyait notamment Falcon Heavy et ça, c'était magnifique dans le reportage avec Elon Musk. Mais mince, j'arrive pas à sauvegarder multistream. Vous pouvez me dire, les amis, si le multistream remarche, sur le chat, si ça marche bien. C'est ça, Valentin, exactement. Les deux boosters latéraux de la Falcon Heavy atterriront sur des barges. Sinon, normalement, ils atterrissent sur Terre. Alors, je vais voir si ça marche. Alors, Gilles, bien sûr qu'on ira sur Mars avant 2100. Pour moi, on ira sur Mars entre 2030 et 2040. Et la Lune, on ira dans environ moins de 5 ans. Ça serait bien. Ça serait... La Lune, moins de 5 ans. Ouais, normalement 2024 pour la Lune, si tout se passe bien. Mais déjà, sachez qu'Artemis a glissé. Artemis 1 devait décoller en novembre. Mais déjà, finalement, en mars, on l'a su aujourd'hui. Mars 2022 plutôt. Mm-hmm. Donc du coup c'est un peu ça va glisser le calendrier du programme, donc c'est un peu embêtant. Ça glisse tout le temps après en fait. Ouais, j'ai vu Biscuit, merci. Ouais. Ah non, il est pas à jour le multistream. Je vous en refaire un pour nouveau. Pour ceux qui sont un petit peu novices dans le spatial, il y a une chose très importante à tout le temps retenir, hein. C'est que le spatial n'est jamais sûr et certain. C'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir un élément, même minime, qui repousse un lancement.
Ouais. Ça fait. Si, hein, Christophe Thomas, ça ratirera sur barge. Hein, les deux boosters latéraux. C'est ouais. une info sûre. Thomas Pesquet sur la Lune, peut-être. Putain, ça serait énorme. Salut, Raison. Ils font tout. Je pense que l'Agence spatiale européenne fait tout ce qui est en leur pouvoir pour l'envoyer, comme ces deux autres compères qui ont déjà fait deux missions. C'est clair. Déjà, les deux, les trois ont commandé l'ISS. Les trois ont fait au moins un an dans l'espace. Donc, je pense qu'ils sont en pole position pour rejoindre leurs collègues américains après. Quoi. Je vous mets une petite photo que Vincent m'a filée pour qui vous montre la fusée de ce soir, hein, avec une coupe, une photo en coupe. Et donc cette photo-là vient du même Twitter, compte Twitter que celle avec les boosters, qui, quand je lui ai demandé, nous a répondu très gentiment qu'on pouvait utiliser ces images. Donc en bas de l'écran, vous avez bah, toutes les missions que le booster a déjà effectuées. Vous voyez qu'il a fait énormément de Starlink. Voilà. Ouais. Il a fait beaucoup de Starlink, il a fait... Bah, en plus, ça fait combien 1, 2, 3, 4 ans qu'il vole déjà. Hein. Ah oui, quand même, depuis 2010, ouais, depuis 2018. Depuis 2018, ouais. Ouais. Avec Telstar, Telstar, 3 ans, on va dire. Mais ouais, ça commence à faire. C'est ça, Antoine, 21h le décollage. Hop. Dans 21 minutes. Je vous renvoie le nouveau multistream, je vais le paramétrer dans le Nightbot, ou sinon je laisse ce petit biscuit s'en charger, je sais pas si tu es sur le chat, petit biscuit. Et je vous renvoie tout de suite le nouveau multistream qui va bien. Vous allez avoir en fait en gros notre vue, la vue de SpaceX, les deux live SpaceX Control Mission, enfin Mission Control Audio et leur vue du Kennedy Space Center. Et on a aussi une vue de SFN, donc Space Flight Now. Et on voit sur la vue de Space Flight Now qu'il y a déjà du venting énorme au centre du mât orbital, enfin pas loin de la fusée. Donc je vais vous envoyer ça tout de suite. Alors, déjà je réponds... des images, c'est cool. Alors, Bass, Lucas, je te réponds dans deux secondes. Je réponds juste à Titus qui nous demande pourquoi faire atterrir les boosters sur une barge en mer alors qu'ils pourraient simplement dégager un endroit où les boosters peuvent atterrir sur Terre, etc. etc. Alors, oui, c'est une bonne remarque. C'est simplement question d'énergie en fait. Quand tu lances une balle par exemple, elle va dessiner une parabole et du coup, quand tu lances une fusée, c'est exactement la même chose. Elle va dessiner une parabole, ok? Donc, tu as deux solutions. Soit tu mets une barge à l'endroit où la parabole atterrit dans la mer, et du coup, bah, la fusée va y aller avec son élan. Soit tu fais faire demi-tour à ta balle en l'air, et tu lui redonnes de l'énergie pour la faire freiner et repartir dans l'autre sens. Donc, le plus simple et le moins coûteux, eh ben, c'est de le mettre la barge à l'endroit où la fusée naturellement va vouloir aller. C'est pour ça qu'ils mettent une barge en mer sous le, enfin, dans la trajectoire en fait, de la fusée, tout simplement. Et du coup, pour répondre à Bess Lucky qui nous demandait... Bah, c'est intéressant. Alors, il n'y a personne dans la fusée. C'est des fusées qui sont automatiques, comme la plupart des fusées. Il n'y a personne qui pilote la fusée, en tout cas même à distance. La fusée a un programme qui fait qu'elle se gère entièrement toute seule. Grand Géro, va dans le multistream que je t'ai envoyé. On voit, même les gars, je vous conseille sur le vocal, on voit en bas à gauche sur Space Flight Now qui est un énorme venting déjà. On a une belle vue du pad 39A avec la tour d'intégration et le gros château d'eau. Et on voit tout ce qui se passe déjà, même avant la webcast. Donc allez sur le multistream que je vous ai mis dans le chat, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Re Philippe. Je vais vous le remettre. Donc, on a un beau venting là, c'est à mon avis, ils ont commencé le remplissage du premier étage en kérosène RP hyper raffiné et en LOX. Alors oui, pour les barges, il faut quand même que la mer soit calme. Après, elle a 4 hélices donc, dans chaque angle de la barge, qui lui permettent de se stabiliser quand même, de contrebalancer le mouvement des vagues. Mais effectivement, il ne faut pas non plus qu'il y ait une mer déchaînée. Non, Jérôme n'est pas là ce soir, les amis. Il est absent. La vue, c'est à Boca Loca. Alors, c'est Boca Chica, déjà. Elle déchire niveau style. C'est quoi le SN15? On a l'impression qu'il a 10 fois moins de moteur. Contrairement aux fusées, c'est un moteur très fier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que SN15, il comporte une centaine d'améliorations depuis SN11. Donc, y compris ses moteurs, hein, qui ont subi des changements. Lesquels je ne saurais pas vous dire exactement, mais peut-être déjà au niveau des tuyères et un peu des turbopompes et des circuits internes. Et après le moteur, oui, il est révolutionnaire en soi parce que c'est du méthane et du LOX, donc ça change complètement de ce qu'on avait vu par le passé. Et c'est pas le seul moteur à utiliser cette technologie, mais aussi le BE4 ouais. qui va équiper la Vulcan et la future New Glenn. C'est ça, jamais c'est Blue Origin. Une bonne question de Titus qui demande qu'est-ce qui coûte le plus cher, la recherche ou la fabrication des lanceurs? Bah les deux, je pense. Moi je dirais la recherche. Développement, ouais, la recherche peut-être, ouais.
Surtout, surtout pour une fusée de Falcon qui revient se poser alors qu'on l'avait jamais fait avant, quoi. Oui, voilà. Pour avoir ces technologies, les technologies qui ont dû être conçues sont évidemment très coûteuses. Une fois qu'ensuite ils ont compris comment les concevoir, ils n'ont plus qu'à se rapprocher de des fournisseurs auxquels ils ont besoin, quoi. Parce que, est-ce que du coup dans les recherches, on peut mettre à l'intérieur le fait qu'il y ait des boosters qui explosent, etc. pendant les essais aussi. Ça fait partie des recherches. Bah, tous les tests qu'il y a eu à McGregor, par exemple, quand tu regardes tous les tests qu'il y a eu avant que ça puisse réatterrir en 2015, il y en a eu des lancements et des tests. Hein, donc je pense que c'est la recherche. Après, je peux me tromper. Hein. Comment moi, je pense que c'est plutôt correct. C'est plutôt correct, hein, parce que c'est vrai que la recherche, il faut tout prendre en compte, y compris ce qui a pété, ce qui a fonctionné. Et du coup, justement, grâce à cette recherche qui a été certainement plus coûteuse, ils arrivent à réduire maintenant les coûts sur la fabrication et l'utilisation des lanceurs. Ouais, combien pèse-t-elle au décollage? Un peu plus de 500 tonnes ce soir là. 500 à débrouiller, peut-être un peu moins, mais dans les 500 tonnes. À savoir que quand même la fusée au décollage va peser 511 tonnes, mais genre 30 secondes après, elle en fait déjà beaucoup moins. Étant donné que les ergols se vident très vite. 538 sur la bloc 5. Bloc 5 avec du Starlink, 538. Ça dépend de la charge utile, ça dépend de plein de choses. Donc on vous rappelle que nous on reste en live jusqu'au déploiement des Starlink, que vous verrez à l'image, hein, si tout va bien, on verra les Starlink se déployer dans l'espace. Comme alors à chaque les satellites fois. Ils sont dans la coiffe que tu vois tout en haut, en fait, qui est un peu le nez de la fusée qui. En gros, tu as une partie noire au centre et bah c'est deux crans au-dessus. Ouais, la coiffe aérodynamique hein, qui est juste là pour protéger les Starlink de la friction de l'air. Pour pénétrer beaucoup plus facilement dans l'atmosphère, un peu comme le nez d'un avion, quoi. Et qui se sépare en deux, et qui retombe dans la mer et qui sont repêchés et réutilisés. Donc une des coiffes là est réutilisée et l'autre moitié fait son premier vol ce soir. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop comment c'est fait un lanceur, vous avez la partie là par exemple sur celui-là a été pliée le capot noir. Ouais. Ah. Je le prends. Je viens de le voir sur le stream. En effet. Comme donc la première partie donc. Du bas des moteurs jusqu'au morceau noir, c'est le premier étage dans lequel il y a le carburant pour l'instant de décoller. Ensuite, vous avez le deuxième étage qui, lui, il est surmonté d'un moteur pour le vide spatial. Et ensuite, vous avez la coiffe avec la charge utile dedans. Alors, la barge est à environ 550 km des côtes vers l'est, dans l'océan Atlantique. Ouais. Bien un point GPS connu et elle ne bouge pas. Donc voilà, c'est, on est sur le live de SpaceX. Nathan, c'est fait. Du coup, je vais. Pas, dès que le flux SpaceX arrive, on est toujours. Hein. Ah bah, comme j'étais sur le multistream, ça aide, je l'ai vu tout de suite démarrer. Quoi. Comment la fusée reste-t-elle verticale? C'est-à-dire, Andy. C'est à quelle heure? C'est à 21h01. Donc dans un quart d'heure. J'ai pas compris ta question, Andy. Attends, je vais regarder ce qu'il a posé. Comment la fusée reste-t-elle à la verticale? Elle est soutenue par un mât ombilical, en fait. Hein. Ouais, mais c'est pas ça qui fait qu'elle reste verticale. Hein. Mais elle est accrochée aussi elle a des supports au sol aussi, qui la soutient. Elle soutient, mais elle, par équilibre, déjà, elle peut tenir verticalement. Les satellites de... Ouais, c'est bien des satellites de Starlink, donc de SpaceX. Salut, Eto. Tout à fait. En fait, SpaceX, c'est le transporteur et le client de cette mission. Concrètement, ils envoient des satellites pour leur propre compte, quoi. Si vous voulez résumer. Voilà, et donc, pour Starlink, pour vous résumer un petit peu le projet, c'est donc une constellation de satellites qui seront, il me semble, 12 000 d'ici à 2025, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ils serviront, en fait, à fournir une connexion à Internet par satellite partout dans le monde. Alors... Et principalement pour les endroits les plus reculés... du monde où ils auraient besoin d'avoir internet et où à l'heure actuelle ils peuvent pas l'avoir. Alors pourquoi la fusée se penche pas en vol, etc. Donc déjà elle se penche, hein, elle vient chercher un angle environ 45 degrés pour partir sur une jolie orbite. Et, ouais. Et ce qui fait qu'elle se penche pas, c'est que la poussée des moteurs est égale sur toute la périphérie des 9 moteurs Merlin. Et voilà. Et après il y a les RCS, mais les RCS ça rentre en compte un peu plus tard. Hein. Ça c'est plus pour gérer dans l'espace que sur Terre. Et par contre, à l'atterrissage, les RCS là sont en fonction, mais ça n'a rien à voir. Comment la fusée reste-t-elle verticale pendant le décollage et pendant le vol jusqu'à
ça va rentrer en orbite. Mais après, elle est plus verticale. Hein. La fusée décolle verticalement et tu vas voir que très très vite, elle va venir chercher un angle à 45 degrés. Hop, ensuite, elle fait son vol. Le deuxième étage, il s'éjecte. Il continue son vol. Commence. Le booster fait demi-tour. Il rallume ses moteurs dans l'entrée burn. Il rentre dans l'atmosphère, il freine, il sort ses greenfields, il se pose. Il arrive à la verticale. Là, il y a des RCS au sommet qui gèrent l'axe. Le moteur également qui gère. Et hop, ça vient se poser, tout simplement. Philippe, je t'envoie ça tout de suite. J'ai la petite musique de SpaceX bien sympathique, là. Tu l'as envoyé ? J'arrive pas à l'envoyer, moi. On dirait. La belle intro de SpaceX. J'adore comment il remonte. Ouais. Et comment il remonte le lanceur. Il est couché, il remonte à la verticale d'une facilité. Alors, Philippe... Philippe, il y a un PayPal hein, en description, si jamais tu demandais. Alors, pour les étapes, donc le second étage a été rempli en carburant et comburant, donc en kérosène hyperraffiné RP1 et en oxygène liquide. Prochaine étape, engine chill, ils vont refroidir les merlins à température des ergols pour éviter qu'il y ait un choc thermique. Je vous rappelle que les ergols sont refroidis à moins 170 degrés. Et derrière, on a la température ambiante pour les moteurs, donc il faut bien qu'il y ait une cohérence en matière de température pour qu'il n'y ait pas de choc au moment de la combustion. Alors la Tesla est toujours en orbite autour du Soleil, hein, effectivement. Et salut Séverine, c'est du Starlink, tout simplement. Salut Delphin. Je tiens à préciser une chose. 25 euros sur PayPal. Merci beaucoup. Merci, gros GG dans le chat. Merci. Alors donc oui, je disais que je tenais à préciser une chose, parce qu'on a tendance à dire que le venting qu'on voit, c'est de la fumée. Mais non, c'est de la condensation. Condensation, ouais. C'est ça. Donc en gros, c'est du nuage. Ouais, en gros. Nuage que... Joli météo hein, sur le Kennedy Space ouais. Center. Vous avez ouais, des jolis cumulus. Ces cumulus qui sont pas loin de se transformer en orage d'ailleurs. Pour certains qui sont quand même bien assez gros. Ils peuvent après se transformer en TCU, cumulus bourgeonnant. Et là, un petit zoom, voilà, donc c'est ça le fameux venting que Vincent était en train de vous dire. Donc cette condensation qui ressemble à de la fumée hein, qui sort le tout le long. Donc là, vous voyez que les étages sont remplis. Il y a un beau venting là, deuxième, sur le premier étage aussi. Il y en a même sur le deuxième étage aussi. Ouais. C'est bien. Vous voyez que le booster est en train d'être gelé, donc sa noirceur est en train de disparaître, entre guillemets. C'est ça. Avec ses ergols refroidis qui se déposent à sa surface. Au lancement, si on a la chance d'avoir la cam sur le booster, vous verrez des morceaux, des plaques qui vont se détacher. C'est tout simplement l'eau qui a l'air ambiante, l'eau qui a dans l'air ambiante, qui s'est congelée en fait. Tout simplement, ouais. Vu la température des ergols, voilà. Ça. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant le lancement de Thomas et de son équipe, il y a un morceau de glace qui s'est détaché quand ils sont arrivés en orbite et qui est passé devant la caméra. Et il y a plein de gens qui ont crié au complot, qui ont dit que c'était un ovni qui passait alors que c'était juste un morceau de glace. Pas du tout. Comme à chaque fois, vous le verrez, hein, de toute façon, dès qu'on sort de l'atmosphère, vous verrez les morceaux de glace qui chutent à côté de la fusée, c'est assez stylé. Et tu vois, Lucas, regarde, pour répondre à ta question, comment est tenue la Falcon, t'as la preuve devant en image. Hein. Avec qui la soutient. Et la tour. Le strong back. Espérons que la cam de la barge fonctionne bien ce soir. Espérons-le. S'il n'y a pas de bug. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Quand le booster il arrive, la cam, elle aime pas du tout. Merci, Philippe, pour ton message. Hein. Bah c'est un château d'eau, le réservoir blanc à côté, tout simplement. Tout à fait, ouais. Vous verrez qu'au moment de l'allumage des moteurs, vous avez de l'eau hein, qui est jetée sous la fusée. On sait, Gilbert. C'est normal. Nathan, c'est YouTube. Là, on avait un gros plan sur la coiffe. Ouais. Hein, vous voyez que la coiffe est en deux parties qui se séparent. Normalement, on peut voir les images de la séparation de la coiffe, ça dépend des lancements. Voilà, et pour ceux qui se demandent comment la coiffe fait pour se séparer, et ben c'est tout simplement... une sorte de petite bande explosive qu'il y a tout c'est autour ça. Un dispositif pyrotechnique c'est ça moment, voilà un dispositif pyrotechnique qui fait que ça libère aussi assez de puissance pour les séparer et les éloigner du reste du reste de la charge. À savoir qu'il n'y a pas besoin d'énormément de puissance hein, étant donné que quand elles sont séparées on est déjà très haut donc
Donc c'est pas très compliqué. Et juste, je voulais dire. Dans le vide de spécial, déjà, je sais pas. Elle est pas neuve, hein. C'est juste qu'il y a de la glace dessus là. Le booster, c'est son 9e vol, les amis. Ouais. Ah, donc il va être à l'égalité avec son confrère qui est aussi à 9. Et pour l'instant, ce sont les deux lanceurs les plus utilisés de la gamme SpaceX. Ouais, de la gamme Falcon 9. De la gamme Falcon 9. Ouais. La gamme. Alors, René, j'en sais rien. Donc ça y est, on a mis les moteurs à température, on les a refroidis pour éviter le choc thermique entre les ergols et les moteurs. Tout à fait. Les prochaines étapes, c'est sur le back retract. La tour que vous voyez va se... En gros, il y a un crochet qui retient sous la coiffe. C'est ça. Il va se libérer et la tour va ensuite s'incliner à 45 degrés, enfin à 3 de quelques degrés, puis 45 degrés lors du décollage pour laisser la Falcon s'élancer. Merci beaucoup Alexandre, gros GG à toi, merci pour ton message, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour ton don, c'est top de changer pas, et bah écoute, on fait tout pour ne pas changer et progresser au plus, en suivant vos conseils. Merci beaucoup. Ouais. Regardez, on voit le désamarrage de Crew One. Ouais, qu'on a vu, qu'on a vécu dimanche, enfin en partie, surtout le retour sur Terre, l'amérissage. Magnifique, hein. Ouais, avec les jets d'hydrazine. Ouais, magnifique. Ouais, c'est vrai que c'était bien filmé ça. Et alors, regardez là, le retour que Lucas a raté. Ouais, putain, j'étais au bout. L'atterrissage en douceur dans l'océan Atlantique, enfin en douceur. L'amérissage. Tout est relatif, hein, selon en douceur, mais vous voyez que les bateaux sont déjà sur place. Hein. Ils savent exactement où s'attendre. Oui. On peut mettre le son. Ouais, bien sûr. Juan, moi ce qui m'a tué, c'est de voir Mike Hopkins se relever debout en fait en sortant de la capsule. Moi j'ai été complètement stupéfait. Ouais. J'avais jamais vu ça. Et en dansant. Ouais. Non, là t'as rien loupé, t'inquiète. Dans 5 minutes le lancement. Allez, attends. Ce Strombak Retract va intervenir. On va voir le mât se décrocher du dessous de la coiffe sur le second étage. Ça mène bien là, hein, niveau de l'interstage aussi. On voit que les moteurs sont aussi refroidis, hein, justement, puisque l'interstage, c'est, je vous rappelle, l'emplacement où se trouve le Merlin Vacuum. Merci beaucoup, Anto, pour ton message. Ouais. Il y a un beau temps là en fait. Ouais, retour de nuit. Ouais, c'est vrai qu'il y a un beau soleil, il a pas comment au Texas. Une belle récupération sur barge, à mon avis. On va avoir de belles images aussi. J'espère que ça va pas bugger. Un lancement de jour aussi, c'est cool. Hein. Ouais, c'est les satellites sont à 550 km d'altitude. 500 km d'altitude à l'orbite. 550. Oui, ouais, bien joué, Vincent. Le crochet vient de se libérer, comme on le voit. Mm-hmm. Le premier étage est totalement rempli. Hein. Le premier étage est rempli. Ouais. Ouais, la pince est ouverte là et vous allez voir que le bras va se reculer légèrement. Ouais, de quelques degrés. Regardez, c'est ce qu'il est en train d'amorcer. Voilà. Recule, là, on voit les bras. Le bras. Elle va totalement se reculer au moment du lancement. Ouais. Exactement. Elle se touchera un peu en arrière. 45 degrés. Je disais à 45 degrés. Ouais, c'est ça. On voit aussi que les coiffes ont déjà été utilisées. Hein, c'est... Une, oui, on voit celle sur de gauche. Dessus, ouais. Celle de gauche a été utilisée. Ouais, celle de droite, non. Ouais. Non, c'est pas un test. Non, hein. C'est pas un test. C'est un vrai vol. Là, c'est un vrai vol. Il y a vraiment des satellites dans la coiffe qui vont être lâchés. Je sais même plus à quelle altitude d'ailleurs. 550. Alors non, il y a personne. Un peu moins que 550, là ça va être à 280 et puis ensuite ils vont rejoindre leur. Après ils montent à 550. Il y a personne dans la fusée. Hein. Ouais. Je vous rassure. C'est un lancement de charge utile. Titus, sans la NASA, SpaceX évoluerait difficilement. Déjà au début, elle aurait pas pu se développer parce que la NASA a vraiment apporté des contrats bien juteux pour SpaceX, que ça soit pour le dire. Coco, le transport d'astronautes et maintenant l'atterrisseur lunaire pour la Lune. Alors oui, il récupère la coiffe, elle tombe dans l'océan et il y a des bateaux qui viennent les récupérer ensuite. Ouais.
Ils avaient songé sur d'autres techniques, hein. On savait qu'ils récupéraient les coiffes dans des filets, mais ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été très concluant, en fait. Ça n'a pas marché de fou. Du coup, le fait que les coiffes prennent l'eau de mer, ça les a mis pas trop au trou. Bah pour moi, c'était quand même problématique, enfin, en matière de... Comment dire, ouais. Je retrouve plus le terme, mais après, vous allez m'appuyer. La corrosion. Voilà, la corrosion. Est-ce que il y a un risque de collision avec l'ISS? Alors non, bien évidemment, vous en doutez bien, ils savent exactement les trajectoires. Et puis c'est pas la même orbite non plus, même si on passe, on va couper l'altitude hein, de l'ISS, mais c'est pas du tout sur les mêmes places. Oh là, ce venting, regardez. Ouais. Oh là là. Et nous sommes plus attends, de 400, attends. On vous remercie d'être aussi nombreux. J'ai jamais vu un gros... Attends. C'est énorme. Elle a demandé si c'était nominal le venting, et du coup j'ai pas entendu. Oui, c'est possible de voir le train Starlink, on vous en reparlera tout à l'heure pendant l'attente en orbite là. Mais il y a des chances de voir le train Starlink ce soir. Attends Lucas, j'écoute juste ce qu'il dit, attends. Ouais. Attends. On va voir le go. Le go qui devrait pas tarder à arriver. Je augmente un peu le son. Ouais, et on va le laisser profiter du décollage. Ok, on est go for lunch, c'est parti. Ouais. Super. Go for lunch. Super. Allez. On est go for lunch. Là, ici. On coupe nos cams. Hein. Petit pouce bleu. C'est bon, Alex, tu peux le laisser. Ah, pardon. Donnez-moi 30 secondes. Donc c'est parti, on va vous expliquer les étapes qui arrivent. Mettez bien le son à fond, écoutez bien ce décollage. T-minus 15 seconds. 10, et c'est parti, 9, secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Allumage. Et décollage. C'est parti. Passe le bruit. Regardez bien la vitesse en bas à gauche. Ouais. La télémétrie. Ouais. C'est vrai que ça me paraissait bizarre cette condensation là, quand même. Bon. On verra après. On est déjà à 300 km de vitesse, pardon, 300 km/h. On va approcher Max Q, qui est la contrainte aérodynamique maximale exercée sur le lanceur, une période très critique pour ce dernier. C'est ça, donc on va réduire légèrement. Écoutez ça, oh voilà, c'est qui j'adore comment oui, à ce moment-là, c'est. Donc c'est parti, on arrive bientôt à 1000 km/h, on passe Max Q, donc qui n'est pas Mach 1, hein, Mach 1, c'est plus tard Mach 1. Normalement, on passe la vitesse du son juste après Max Q. C'est ça. Je vais vous le dire si on le passe avant ou après là. Avec la flamme s'allonge et atteint une taille supérieure au lanceur. Regardez, vous voyez qu'elle commence déjà à se pencher à 45 degrés hein, tranquillement. On passe le mur du son maintenant et on arrive sur Max Q. Exactement. On y est là. Oh ce bruit. Ouais. Oh ce bruit. Ouais. Oh. Ok, on passe Max Q. Là c'est dingue là. Donc Max Q c'est un passage qui change hein, selon la pression atmosphérique et plein de choses qui peut être plus ou moins rapide. Ça s'incline bien. On commence à voir la courbure de la Terre. Et là vous allez voir qu'on va commencer à avoir de plus en plus la flamme sur la caméra embarquée qui va s'étendre. Le moment que je préfère dans tous les lancements. La flamme. Ça super joli. Ah mais c'est vrai que quand t'as 7 ans, on croirait une rosace. On arrive bientôt au Miko déjà, hein, où les 9 Merlin D vont se couper. On va voir le... Tout va très vite. Coupure du premier étage, séparation du deuxième étage, rallumage du deuxième étage, et puis après le booster qui va faire demi-tour en 180 pour venir dans le contresens de la marche. Tout à fait. On arrive à bientôt 6000 km/h. Ça devient de moins en moins compliqué de prendre de la vitesse hein, étant donné qu'on sort de l'atmosphère. De la traction. Ça se réincline de nouveau. Et là, regardez. Nico va intervenir dans quelques secondes avec la séparation du premier étage. Vous avez la cam à gauche, donc l'intérieur du premier étage, et à droite le deuxième étage. Vous voyez l'intérieur de la tuyère. Tout à fait. Et là, boum, séparation.
Passion. Regardez confirmé. L'allumage à droite avec le joint qui veut se décoller comme à son habitude. Même à gauche, l'allumage, on va voir le deuxième étage s'éloigner rapidement du premier. Et voilà le et joint. C'est fait. Les petites parties qui s'enlèvent du moteur, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Et là, regardez. Prends le relais. Et là, regardez, on voit les green fits qui commencent à s'ouvrir et le booster qui va commencer à faire son demi-tour à gauche. Déployé. La télémétrie du booster, on appelle ça la coiffe, boum, séparation de la coiffe. Donc à droite, la vitesse du second étage et à gauche, la vitesse du booster avec les altitudes respectives. Et on vient de voir la coiffe passer sur le plan, c'était magnifique. On est officiellement dans l'espace puisqu'on a dépassé les 100 km d'altitude. Et donc là, à partir de maintenant, on va pousser pour prendre de la vitesse et on aura une coupure et un nœud de manœuvre à environ la moitié de l'orbite. C'est RCS pour se rediriger déjà, il s'est mis à la verticale. Maintenant il trouve son bon angle de rentrée pour effectuer son entry burn où il va rallumer 3 moteurs Merlin pour pouvoir rentrer correctement dans l'atmosphère sans se consumer. François, je suis pas assez haut dans l'avion. On voit des petites parties qui redescendent, j'ai l'impression que c'est la coiffe, je sais pas ce que c'était, mais on voit des parties descendre à gauche. Et donc, on dirait, ouais, t'as raison. Elle part dans l'espace, Arnaud. Elle va passer au-dessus de chez nous là dans pas très longtemps, dans environ 25 minutes. Et dans la deuxième orbite après, c'est possible de pouvoir voir les Starlink. Donc là, on arrive à 10 000 km/h, on va encore prendre 18 000 km/h environ, enfin un peu moins 16 000. Et là, on voit les cotins de Floride. Pour atteindre la vitesse orbitale, je rejoins ce que tu disais, Lucas. Donc une vitesse suffisante pour pouvoir rester en chute libre autour de la planète sans retomber dans l'atmosphère. Tout à fait. C'est des satellites, Géraldine, il y en a plusieurs, il y en a 60, c'est du Starlink. Ouais, il y a 60. Donc on voit très très bien les côtes de Floride sur le plan. C'est magnifique. Ouais. Tout à fait. Ouais, on a un beau ciel bleu, on va voir un bel atterrissage. Ah, mais ouais. On voit bien la mer aussi, les petits lagons là, c'est super joli. On voit des beaux coins là, à un moment donné. Une fois que on sera calme et sur l'orbite, je vous expliquerai comment voir les Starlink ce soir. Pas de soucis. Restez avec nous, je vous montrerai tout ça. Vous voyez qu'on est à plus de 5 minutes et 20 secondes, on est déjà à 163 km d'altitude, 11 000 km/h. Le premier étage est à 116 km encore. Il décélère. Enfin, il continue de descendre progressivement grâce à ses jets d'hydrazine. Il y a les RCS. Alors, Alexandre, la barge est à 550 km. Et donc là, vous voyez que l'altitude du booster vient de se remettre à descendre. Donc, il arrive à son apogée et là, il commence à redescendre. Donc là, la vitesse va augmenter et ensuite, la vitesse va diminuer au moment du rallumage des moteurs et de la friction avec l'air. Du boost back girl. Tout à fait. Vous voyez la tuyère qui est incandescente à droite. Hein. Ouais, depuis quelques minutes déjà. Mais c'est magnifique, on voit la courbure de la Terre, c'est ouais, vraiment beau. Couleur, ouais. Vous voyez des jets de RCS hein, au niveau des green fields à gauche de l'écran. Donc du gaz qui est éjecté pour diriger la fusée dans le vide spatial étant donné qu'il n'y a pas d'air pour pouvoir se diriger, donc on le fait avec un système d'action-réaction hein, comme une fusée. On appelle ça le Reaction Control System hein, en anglais, RCS. C'est ça. Bien sûr, tout est automatique, hein, on précise. Oui, toutes ces manœuvres. Hein. Ça y est, il est en train de se rediriger, il va rentrer dans l'atmosphère. Et là vous allez voir le rallumage de 3 moteurs. Stage 1 Flight Termination System has saved. Et donc, c'est parti, regarde les Griffins qui se redéploient vers le haut. Entry burn startup. C'est parti. Donc là, on freine, regardez la vitesse hein, qui décroît fortement. À gauche de l'écran, bien sûr. Tout comme l'altitude. Comment ça se passe pour l'orbite? C'est-à-dire, c'est des cas. Précise un peu ta question et je te réponds. Non, elle va pas sur la Lune. Ah, mais merci d'être aussi nombreux. Ouais. En fait, on est sur plus de 500. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça regardez, nous aide vraiment. Regardez, c'est assez impressionnant. On voit. Allez. 3 Merlin coupés, on continue de descendre. Attends, on va juste commenter ce qui se passe là parce qu'on arrive très vite. Vous avez vu les RCS qui ont vachement bien re-axé le booster premier étage. Et là, vous allez voir que la vitesse va très fortement décroître. Et l'altitude aussi, on arrive à 15 000 mètres d'altitude, 14 000 mètres d'altitude. Regardez la vitesse, les amis, c'est très impressionnant. Regardez bien à gauche de l'écran. La décélération de.
J'espère que la cam va tenir le coup. On arrive en dessous de pratiquement sous la vitesse du son dans quelques secondes. Est-ce qu'on la voit la barge d'ici? On la voit, mais pas tout de suite. Là, pour le moment, non. Pour le moment, non, pas tout de suite. C'est un peu loin encore. Là, on a 7000 mètres d'altitude. Hein, et on perd le flux, comme d'habitude. Peut-être la barge. Regardez au moment du rallumage. Ah, ça arrive, des fois. Ça y est, ça revient. Allez. Les RCS qui poussent. Allez, on peut le faire. Allez. Il fait beau, la connexion est bonne. Ça a recoupé. On aura la vue de la barge quand même. Bon, on a quand même la télémétrie. À 2,5 km. Allez, ça revient. On voit la barge. Oh là là. On voit la barge, on voyait la barge. Et regardez la vitesse qui décroît. On est à moins d'un kilomètre. Voilà, 500 km/h. Ça y est, on arrive. On arrive sur la barge. Nouveau. Oula. Allez, on voit le Attends, elle est pas au-dessus là. Ah. Elle est pas au-dessus. Ah non, non. Si, si, si. Ah si, c'est bon. Allez, allez, allez. Et c'est confirmé. J'ai SpaceX. Eh oui. Énième récupération. Voilà, c'était chaud quand même. C'était la 9ème récupération. Bravo à eux. Récupération et ce booster va voler 10ème fois. Donc pour l'objectif annoncé par SpaceX. Le record, ça va être le record. Là, actuellement, le record c'était 9 et là ça va être 10. Ouais. Et c'était chaud quand même. C'était vraiment chaud. Hein, là. Ouais. Ah, c'était vraiment loin au début. Je pensais pas que ça allait fonctionner. Il y a 60 satellites sous la coiffe là. Et on est vraiment au centre de la cible. Alors là, vraiment pour le coup, on est pas mieux faire. Voilà, donc normalement, d'après Petit Biscuit qui m'avait dit sur le live juste avant où on devait normalement voir SN15, c'est l'autre booster qui a fait 9 vols qui fera le 10ème en premier. C'est ça, voilà, qui fera en premier. Alors, j'aimerais juste prendre 2 minutes là pour vous expliquer ce qu'on voit à l'image parce que c'est avec ça qu'on va savoir si ça passe au-dessus de nous ce soir. Donc, je baisse un petit peu le son. Donc ici vous avez une vue 3D de ce qui est en train de se passer actuellement. Vous avez en blanc marqué Stage 2, bah, le second étage hein, qui est, vient d'arrêter d'ailleurs, on l'a pas dit, mais qui vient d'arrêter sa poussée, 27 000 km/h. Donc on est en orbite. Là le premier étage arrive sur les côtes canadiennes, le deuxième étage pardon, et va passer au-dessus de l'Angleterre, ok. Et ensuite vous voyez qu'au deuxième tour, donc le trait bleu, ça sera sa future révolution, donc sa future orbite. Et qui va passer normalement au-dessus de chez nous. Donc on va bien guetter ça ensemble. Et je pense qu'on devrait voir passer les Starlink ce soir pour ceux qui ont un ciel dégagé. La petite musique de SpaceX qu'on adore. Ouais, comme d'habitude. Jusqu'au déploiement des Starlink. Moi j'adore. C'est vraiment tout un écosystème moi, que je kiffe. Donc là, on a coupé les moteurs et on va faire la moitié d'une orbite et on va redonner une petite poussée. Vous allez voir qu'il va durer à peine une seconde, ce qui va permettre en fait de circulariser l'orbite pour vraiment avoir une orbite qui a la même altitude sur toute sa périphérie. Et donc, tu connais bien ce mot, ouais. 35 minutes, hein. C'était le SICO, le CES, donc le Second Engine Startup, qui consiste à un rallumage d'une seconde. Du moteur du second étage qui a permis de circuler l'orbite. Une orbite, c'est environ 90 minutes, donc environ à 22h30, je dirais, dans ces eaux-là, ça devrait passer. Oh, les images qu'on a. Oh. C'est incroyable. Hein. Belles images, là. Ah, oui. C'est vrai que ça a pas beaucoup coupé. On a vu, quand même, l'atterrissage en entier, hein, presque. Bah, ça a bugué, en fait, sur le début. Alors... Juste pour répondre à CDK, du coup, le but, merci Alexandre pour ton début de réponse, c'est ça, le but c'est d'atteindre 27 000 km en fait, qui est la vitesse à laquelle vous allez trop vite pour être attiré par la Terre. En dessous de cette vitesse, vous allez finir par retomber sur Terre. Plus cette vitesse est grande, moins vous êtes attiré, ok. Donc du coup, bah, là on trouve l'équilibre pour pas s'éjecter non plus de l'orbite terrestre. Mais on trouve l'équilibre, donc là 27 000 km/h pour rester sur une belle orbite autour de la Terre tout simplement. Venez voir les live KSP si vous voulez comprendre la mécanique spatiale, il y a peut-être des chances qu'on en fasse un tout à l'heure, même si vous êtes chaud. Ouais. C'est quoi une coiffe? Une coiffe, c'est ce qui permet de protéger la charge utile de notre satellite hein, des frottements dans l'atmosphère. Des frottements, donc parce qu'on va quand même assez vite, comme vous l'avez vu. Vous avez vu à la vitesse à laquelle ça part, ça crée des frottements. Et il faut une coiffe pour protéger notre charge utile, qui n'est pas prévue pour résister à de telles températures et frottements.
Et de telles frictions, ouais. Là, on se rend vraiment compte de la vitesse. Hein. Regardez la vitesse à laquelle défilent les nuages. Merci Séverine. Merci beaucoup. Le lanceur voit un peu moins de 50 millions pico. On n'a pas de destination précise, mais c'est ça qu'on sur ça qu'on se repose. Alors, que deviennent les étages? Le premier étage, tu vois sur la carte ici, stage 1, donc tout à gauche vers Miami, s'est reposé sur la barge, donc lui revolera une dernière fois. Et le stage 2, lui, va continuer à faire des orbites jusqu'au moment où il va ralentir à cause de la friction, parce qu'il reste quand même quelques molécules d'air quand même à cette altitude. Et il va venir se consumer dans l'atmosphère, tout simplement, brûler. Tout à fait. Quelle est la procédure pour vous laisser un pourboire? Bah écoute, juste en bas de l'écran, t'as un petit signe dollar à côté du là où tu écris. Il y a un petit signe dollar, tu cliques dessus, tu mets la somme que tu veux, et voilà, c'est tout simple. Sinon, si tu préfères passer par d'autres canaux, on a aussi Tipeee et PayPal en description. Voilà, c'est après, on ne force personne. Hein. Voilà. Depuis la Belgique, il y a des chances, voilà. Hein, de après... toute la France. Le plus important, c'est le like. Et n'oubliez pas. Je crois qu'on peut atteindre les 200. Alors là, je précise juste pour les Belges, vous voyez que ça passe vraiment pile au-dessus de la Belgique. Maintenant, dans environ 25 minutes, il doit faire encore un peu jour en Belgique. Parce que moi, je suis pas en Belgique, donc je le sais pas trop, mais il doit faire à peu près encore jour. Je pense que la nuit, que ça va être tendu. Il commence à faire sombre. C'est possible de les voir, mais par contre, vous verrez pas un train de satellite là. Vous verrez vraiment la grappe. Donc vous allez voir un point lumineux passer très très vite au-dessus de vous, mais ça dépend. Faut quand même qu'il fasse assez nuit. Hein. Si le ciel est encore un peu éclairé, ça va être chaud. Levez les yeux au ciel. C'est ça, levez les yeux au ciel. Mais d'ici 90 minutes, maintenant, on devrait les voir passer détachés, du coup. Mais ça fera pas un très grand train de satellite non plus. Hein. Ils vont être assez près, donc j'ai jamais vu des Starlink juste après le lancement. Je suis pas sûr qu'on les voit très très bien. Moi, je les ai observés une fois en montagne, et franchement, c'est impressionnant. Enfin, le train, hein, pas quand ils sont lancés, mais un train Starlink, ouais. C'est impressionnant. Ouais, et vous les voyez à l'œil nu, hein, je précise, pas besoin de caméscope. Hein. Mais là, il y a des chances de les voir quand même, parce que si ça reflète vachement la couleur du soleil, la lumière du soleil, pardon. Ouais, tout à fait, ouais. Écoutez, on va être au meilleur moment, parce que le coucher de soleil, comme ça, c'est la meilleure configuration, même quand vous souhaitez observer l'ISS, par exemple, qui a des très grands panneaux solaires, qu'on voit très bien, et donc là, c'est un peu le même cas de figure. Alors là, par contre, pour ceux qui habitent en Bretagne, etc., plein ouest de la France, il doit faire encore assez jour. Ceux qui habitent à l'est de la France, Alsace et tout, je pense, ça va être... Je pense que là, vous allez nous le dire sur le live, mais allez voir, je vous le dirai quand vous sortirez. Vous allez checker dehors. Oh, dans le sud, c'est un peu compliqué. Vous checkez, donc vous voyez, ça passe ouest-est, enfin nord-ouest, sud-est. Donc vous checkez le ciel dans ces eaux-là, hein, vous prenez votre boussole ou votre téléphone qui vous fait boussole. Et vous checkez bien, ça passe très vite. Hein. C'est un point blanc lumineux qui scintille pas, enfin qui clignote pas. C'est vraiment comme un satellite, c'est un point blanc fixe qui va assez vite. Donc checkez-le, moi ça commence à se couvrir malheureusement. Ouais. Alors l'obstacle majeur, la récupération au second étage, c'est la capacité de carburant qu'il faudrait emmener pour qu'il puisse se reposer, et même c'est les coûts en fait, principalement parce que... Merci Christian Merci Christian pour faire reposer ce petit étage, ça va être compliqué quand même, donc ils ont préféré abandonner. Non, il n'y a pas de flamme. Hein. S'il y a des nuages, vous verrez rien. Il n'y a plus de flamme. Lana. Merci Lana, merci beaucoup, c'est insane. Merci. C'est ce qu'on aurait voulu dire avec SN15, mais malheureusement, ils ont fait attendre. Alors, la courbe bleue, c'est le prochain tour, ok? Donc ça passera plus au sud-ouest. Et là, pour le moment, tous les Français pratiquement peuvent le voir, hein, c'est assez haut. Bon, alors ceux qui sont à Perpignan, il y a moins de chance pour le moment, mais après, ça sera plus simple. Ouais. Ça passera au niveau de Madrid à la prochaine. Donc ça, vous regarderez au sud tout à l'heure. Nous ne faisons pas d'études dans le domaine, hein, mais on est passionné. Hein, on vient de milieu totalement différent, mais voilà, on est passionné par ça et on espère que vous appréciez. Et les gars, je reviens. Nicolas, ça marche. Ouais, d'accord. Nicolas, la NASA a stoppé le contrat avec SpaceX. Oui, tu parles sûrement du contrat pour la Lune. Du MNNX System. Ouais, donc en fait, c'est des protestations de Blue Origin et Dynetics, hein, pour le coup, hein, qui ont protesté la décision de la NASA. Donc ils suspendent pour l'instant le contrat, mais à mon avis, ça va être. Le choix, voilà. SpaceX va revenir ça dans la course. Ça va être débloqué rapidement. Ça va être débloqué avec des assises ou des procédures juridiques. Enfin, je sais pas comment ils vont faire ça. Ils vont régler ça. C'est un link. Ils vont s'expliquer, mais voilà. Ah, merci beaucoup Gérard pour ton message. On salue les Québécois aussi.
Blue Origin, voilà, il ne voulait pas que SpaceX détienne le monopole non plus du spatial. Donc voilà, ils se sont un peu plaints au niveau de la NASA. Ouais. Et bon. Voilà. Alors là, pour l'heure du passage de la fusée, là, elle passe vraiment dans quelques minutes au-dessus. Bah, par exemple, là, on est de la Belgique et de la Normandie. Donc, ce sera au nord-ouest, à peu près. Donc, vous pouvez télécharger une application. Oui, elle passe du nord-ouest jusqu'au... Ouais, elle va aller jusqu'au sud-est, en fait. Avec l'application, comment elle s'appelle déjà? Oui, vous avez, il y a beaucoup d'applications de tracking, notamment pour les ISS, mais elles marchent aussi pour les Starlink. Et là, vous allez pouvoir... voilà, après, comme ça vient d'être lancé, on va pas pouvoir avoir directement la télémétrie des Starlink. Mais voilà, si vous arrivez à les voir, prévenez-nous. C'est sûr que chez certains, il peut y avoir des nuages. Bah, les Belges qui nous suivent, peut-être, pouvez nous taguer, vous nous envoyez une photo, vous nous taguez sur les réseaux, par exemple Instagram, voilà. Et on vous reposte. Voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont pas loin là, on voit que ça va passer au-dessus de la Belgique notamment, tous ces coins là. Nicolas, non, pendant le temps du problème de cette espèce de procès, j'ai envie de dire, il n'arrête pas les SN, hein, parce que les SN c'était déjà en développement avant le contrat, donc, parce que c'était simplement l'ambition de SpaceX et plus d'Elon Musk, hein, en réalité, mais voilà, il voulait utiliser Starship, mais le développement n'est pas du tout arrêté. Non, et puis Starship ne va pas servir qu'à la Lune, hein, et aussi du Mars, transport planétaire, mais évidemment la colonisation de Mars, l'envoi d'astronautes et la colonisation de Mars ensuite, quoi. Je vais vous envoyer dans le chat un lien pour aller sur le site SatMap. Sur ce site-là, vous pourrez voir toutes les constellations de par exemple Starlink, OneWeb, ISS, ouais. Vous pouvez voir aussi Telsat, Iridium. Enfin voilà, vous avez plein de genres. Plein de types de satellites. Donc là, peut-être, vous pouvez commencer à percevoir. Là, vous pourrez peut-être apercevoir Starlink. Justement, peut-être qu'il n'est pas encore répertorié. Mais là, normalement, dans une trentaine de secondes, vous devriez l'observer. Vous devriez l'observer si vous êtes en Normandie. Mais je pense qu'il y a des chances. Même le projet Starlink. Oui, les Hauts-de-France, hein, ouais, aussi, hein, voilà. Belgique, Hauts-de-France. N'hésitez pas à nous taguer, hein, ceux qui peuvent, qui sont pas loin. Voilà. Le projet Starlink, c'est un projet d'internet haut débit. Oui, vas-y. Pour le centre Val-de-Loire, malheureusement, on a eu de la pluie toute la journée et on a plein de nuages, donc nous on le verra pas. C'est sûr que le centre Val-de-Loire. Starlink, c'est un projet d'internet haut débit par satellite, hein, en envoyant en masse des micros. Pas vraiment, ils sont assez gros, comme vous avez vu sur la caméra. Pour envoyer des petits satellites, hein, de petite taille, hein, là il y en a actuellement 1600 en orbite, si je dis pas de bêtises. Oh, merci, Nicolas. Petit chèque de l'envoi aussi. Merci, Nicolas. Bah écoute, essaye d'observer là. Moi je pense que c'est fini. Là, ça devrait être bon là. Je sais plus ce que là, vous expliquez, messieurs. Mais. Starlink. Le projet Starlink. Ouais. Le nombre de satellites. Petit biscuit, est-ce que t'as le nombre de satellites Starlink actuellement en orbite là? Sous le coup. Là, j'en ai 1600. Mais ouais. 1005 ou 1006, ouais. Je l'ai, le nombre de satellites. Là, en Normandie, Capo 360 au nord. Normalement, il devrait y avoir. Ouais. Pour les Normandies, regardez nord, nord-est. Cap entre le Cap Nord et le Cap 70. Pour les Belges, pour le moment, regardez au-dessus de vos têtes. Désolé, je suis allé me chercher. Au-dessus, vraiment au-dessus de vos têtes, les Belges. Les Belges, vous regardez, la Bretagne, vous regardez au cap 0,70, mais je pense que vous verrez rien. Pour ceux qui habitent à Strasbourg, vous regardez entre le cap nord, un cap 45 degrés par rapport au nord. Donc vous regardez un cap 340 et un cap 0,20, ça devrait passer au-dessus de vos têtes.
Les Lyonnais, je sais pas trop si vous pouvez le voir là, sinon c'est un cap 0,20. Je le dis de tête les caps, alors ça va prendre avec des pincettes, mais c'est environ ça. Merci, petit biscuit. Donc il y aurait apparemment 1438 satellites en orbite et après 1498, donc j'étais pas loin avec mon 1005. Ouais, j'ai l'impression que SatMap ils sont pas tout à fait à jour. Non, non, ils sont pas à jour. Les Belges, vous faites un demi-tour maintenant. Pareil. Ça va passer en Allemagne bientôt. Les Nordistes, vous regardez au cap plein est à peu près. Je suis pas sûr que vous le voyez, mais bon. Alors ouais. Quand est-ce qu'il libère les satellites? Je vais te dire ça. Il libère les satellites 1h03 après le lancement, donc on n'y est pas du tout encore. Dans 41 minutes. Tu l'as vu en Hauts-de-France, ok. Bon bah nickel. Ah. Super ça. Ah bah super. N'hésite pas à nous envoyer une photo, Tommy, sur nos réseaux sociaux. Si vous arrivez et qu'on voit quelque chose, ouais, c'est... Oh, on est preneurs. Ouais. On vous riposte direct, y'a pas de problème. Les nuages, malheureusement, vous les verrez pas. Ah oui, c'est vrai que la météo est capricieuse. À niveau danger, là, c'est fini, là. Hein. Voilà, c'est fini. Prochain tour, les gars, prochain tour. Dans 90 minutes. Prochain tour. Prochaine orbite, elle peut être intéressante pour Jérôme ou pour Ellie, là, pour le coup. Hein. Non, prochaine orbite, je pense. Elle va glisser encore. Elle va tomber encore. Ouais, elle va glisser, elle va être au niveau de Madrid à peu près. Mais honnêtement, je pense que les Bretons et vous tirez un trait de Brest à Lyon. Vous verrez. Ah ben Rouen, non, Florence. Ah, c'est, là c'est passé, hein. Pour tout le monde là c'est trop tard. À part si on a qui habite en Roumanie. On est en Europe centrale. Ouais. Si vous l'avez vu de loin, c'est déjà bien. C'est pour ça qu'il faut vite lever la tête. Les yeux au ciel. Prochain tour, ouais. Après la mise hors service de l'ISS en 2024, il compte en construire une ou ce sera la seule? Bah je t'invite Nicolas à t'abonner à la chaîne parce qu'on va traiter d'un épisode qui parle de ça. Donc on te réserve la surprise. Mais évidemment, il y a une histoire de... Il n'y aura pas une désorbitation directe, hein, t'inquiète pas. Ouais, normalement en théorie gaming server, mais ça va glisser en fait. Mmh. Bah au prochain tour Gravitrax, t'inquiète. Mmh. Oui exactement René, c'était sur le même pad 39A du Kennedy Space Center. Ouais. On voyait sur la droite d'ailleurs la tour hein, dans laquelle, par laquelle ils ont accédé les astronautes. Ouais, le Crew Access Arm, enfin via la tour dans la rampe d'accès aussi. La tour, là. La grande tour noire. Mmh. Ouais. Merci en fait, bonsoir, la rampe aussi. Aussi hein. Ouais. Merci Gaming. Je sais pas Mathieu si on peut voir un train ce soir. Ça sera un petit train. Ouais, ils seront pas très espacés. Ah non, en fait, on va pas en train là actuellement. On va juste le deuxième étage en fait. Non, non, mais est-ce qu'il voulait savoir si on allait voir un train ou pas dans pas longtemps aussi. Ouais. Merci Quentin. À Lyon, Delphin, je pense au prochain tour. Il est plus là, les gars. C'est plus visible. Hein. Il est plus visible là. Il est déjà. Ouais. Il est bientôt en Turquie déjà. Faut attendre. Ah, sauf si vous avez été en Turquie, là, pas de soucis, mais. Ou en Arabie Saoudite après. Ah. J'ai pensé en direct. Ouais, il faut être au bon endroit pour le voir. Faut être à l'affût. C'est vrai que c'est une bonne fenêtre pour nous parce que nous, du coup, on est au coucher du soleil, on est à la limite de la nuit, donc c'est appréciable pour nous quand on a un ciel clair. Et dégagé. Ouais. C'est vraiment. Ethan, ça m'étonnerait. Ah, mais toujours, genre. C'est bizarre. Là, ça décolle. C'est sûr, ouais, c'est bizarre quand même là. On est en Grèce là, hein, bientôt en Turquie déjà. Hein. Ouais. Crash de trains spatiaux bientôt. S'ils appellent ça King Center, je savais pas que c'était le même endroit.
Si c'est le même endroit, l'as de pique. Prochain tour, métro nuage. La CSS chinoise aura une orbite réserve, elle aussi comme l'ISS. Non, non, elle a une orbite plus basse, Nicolas. Une orbite plus basse que l'ISS. Hein. Gravitrack, c'est ça, le trait bleu, c'est son prochain passage. Ah, dommage, Philippe. Peut-être, peut-être Starlink 2.0. Pour tous les Français, là, il y a moyen de voir le deuxième, il y a moyen de voir le deuxième passage. Hein. S'il n'y a pas de nuages. Oui. Faut voir en fonction de votre couverture nuageuse en fait au-dessus de vous quoi. C'est ça exactement. On va voir. Vous affolez pas les amis. Vous inquiétez pas. Vous allez les voir, vous inquiétez pas. Mais demain ce sera plus impressionnant parce que demain ils seront un peu plus espacés donc on les voit mieux. Là ils vont être vachement serrés. Et donc ça, même on pas parle sûr, de quoi. Train. On parle de train parce qu'en fait les satellites sont déployés vraiment. On dirait comme à la queue leu-leu en fait. Il y en a tellement qu'en fait ça fait un espèce de train. Ils suivent tous la même orbite et là, ils se suivent petit à petit. Starlink, Valtech. Alors Julien, exactement, ça va finir en débris spatial, mais ça va au fur et à mesure redescendre en altitude et venir se consumer dans l'atmosphère. Et SpaceX a prévu un système pour Starlink en accord avec les autorités locales pour justement faire en sorte que les Starlink se consument. Hein. C'est quand même prévu pour, même si évidemment ça ne plaît pas aux astronomes et aux astrophotographes. Ouais. Mais, c'est toi Jérôme qui s'absente. Hein. Ils ont un système embarqué pour se consumer dans l'atmosphère de manière sûre et contrôlée, donc il n'y a pas de problème. Pour la Réunion, je vais te dire, mais j'ai l'impression que ça passe plus à l'est. Dans un peu plus d'une heure, deuxième passage. Ah oui, ça a dépassé la Belgique, Pico. Oui, on est bientôt en Arabie Saoudite. Là, c'est ça vient de passer. Moi, ça m'inquiète pas, mais ça en inquiète certains qu'on a cités juste avant. Ouais, comme Jérôme. Et bon, moi aussi, ça m'inquiète. Ah, merci, Florence. Merci Florence, merci beaucoup. 5 euros, gros GGL dans le chat, les amis. Alors Nicolas qui nous dit, les sondes qui vont être envoyées au fin fond de notre univers vont servir à quoi exactement? Bah alors déjà, tu sais que quand ils ont envoyé Voyager et Voyager 2, enfin 1 et 2, c'est des sondes qui sont parties pour ne jamais revenir en fait. Et le but c'est de déjà passer au plus près des planètes de notre système solaire hein, par ce qu'on appelle l'effet de fronde et pour prendre de la vitesse également. Donc je sais plus exactement par quelles planètes sont passées Voyager 1 et 2 respectivement, mais par exemple il y en a une qui allait visiter Jupiter. Saturne. Donc elle est passée très près de Jupiter, elle a pris des clichés, Saturne pareil, elle a pris des clichés, elle a pris des clichés de derrière, ouais, c'est elle qui a fait des clichés de l'ombre de Saturne sur son anneau. Et ensuite, elle est passée un peu partout dans le système solaire, et puis là elle est sortie du système solaire depuis déjà un bon moment. Et elle a pris une photo de notre système solaire d'ailleurs de très 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 loin. C'est assez balèze. Ouais. Ce qui est juste dingue. Ouais. Le Voyager 1 aimait toujours hein, d'ailleurs, hein, ouais. Après de nombreuses années. Juste petite précision de la part de Biscuit, le deuxième étage du coup il le désorbite souvent au niveau de l'Australie, quelques heures après, pour ceux qui se demandaient. Ouais. Pas tarder à arriver en dessous du Qatar. C'est ça. Ouais, pour ceux qui s'intéressent, Voyager 1, elle a été lancée il y a 43 ans et est toujours en activité. 25, ça, Point exclamation mission, je sais pas s'il est à jour, mais sinon tu peux faire ça pour... T'as la vitesse de Voyager 1 ou pas? À la vitesse actuelle, je vais essayer de trouver ça. Bon déjà, la distance par rapport à la Terre, ça va t'intéresser. 22 milliards de kilomètres. Ouais. Oh là là. C'est l'objet Il y a des disques, hein. Il y a des disques avec toute la représentation de notre humanité à l'intérieur. Ouais, c'est... ouais. Ils peuvent être joués hein, sur. Parce qu'en toutes les langues, il y a quelque chose qui a été traduit. Une espèce de discours qui parle des humains. C'est dingue, hein. Il y a des musiques, il y a les sons, il y a des sons d'oiseaux, enfin de tout notre environnement. Il y a tout, il y a du binaire pour expliquer qu'on connaît les maths, enfin il y a pas mal de choses.
Alors je vous avoue que pour la comprendre, déjà quand on est être humain c'est compliqué, mais alors si en plus c'est pas être humain... si c'est une autre civilisation. C'est ouais. Plus avancé peut-être. Ouais. Mm. Et oui, elle a permis... Non, l'orbite 2, c'est la prochaine orbite estimée Starlinks. Alors Sam, ce soir c'est du Starlink hein, comme d'habitude, les des satellites pour couvrir un réseau internet mondial. T'as déjà répondu en plus à cette question. Normalement si j'ai le point exclamation mission, il s'est... Ouais non, je sais pas parce que ça se trouve il est pas à jour. Je vais aller voir s'il est à jour ou pas. On s'approche pas du rallumage du second étage hein, pour venir circulariser notre orbite. C'est ça. Attends, je vais baisser un peu le son parce que j'aime pas ce passage de la musique là. Ouais, il est pas terrible. Ah. Alors oui, la vitesse là de Voyager 1 c'est 16,6 km par seconde. Ouais, voilà. Ce qui fait quand même beaucoup. Hein. Il y a un reportage ouais sur YouTube sur Voyager 1 et 2 qui est assez pas mal. Sur, d'Arte je crois. Oui, c'est assez. On a des. À chaque fois ils ont peur hein, pour que je fasse des marques. René, parce que il y avait un problème sur au niveau de la le moment où on récupérait le SN15 à l'atterrissage. Les vents étaient trop violents pour le récupérer à l'indemne, donc ils ont préféré décaler reporter le vol. C'est ça. Et ils les ont envoyés Gravitax et les panneaux solaires et ensuite ils les ont mis en place un par un, ils se sont dépliés. Ouais. Et puis là, ils vont mettre des nouveaux hein, pour le coup de chez Boeing. Et certainement que Thomas Pesquet va participer à leur installation. Donc, ah ouais, avec ça, des EVA. Sur la chaîne. Ouais. Voilà. Starlink. Bah, le Starlink, c'est pour avoir internet à haut débit en fait. Ouais. Partout sur le globe. Partout dans le monde. Ouais, c'est ça, partout. Ah, merci Aurélien, c'est gentil. Ouais, tu peux nous envoyer la vidéo, y a pas de soucis sur Discord si tu veux ou Instagram. Envoie-nous sur Instagram ouais, plutôt, sur Tony. Ouais, ou Discord aussi, c'est bien aussi. Enfin, les deux si tu peux. Ouais. Merci Aurélien. Je te mets les liens dans le chat. Ouais, c'est ça, l'exoconférence qui est... Elle est pas mal cette conférence d'ailleurs. Enfin, cette conférence spectacle d'ailleurs. Mm. Voilà, t'as les comptes qui sont affichés. Ouais, vers 20h, 22h30 le passage, on va checker ça, on va vous dire. Sur le Discord, t'as une rubrique hein, pour mettre les photos, partage photos et vidéos. Ouais, exactement. Ah bah, totalement, Nicolas. Dans l'espace, hein, dans l'espace. Dans l'espace, c'est vraiment une prouesse de coopération internationale. Hein, depuis 23 ans maintenant. Alors Enzo, la prochaine étape qui est affichée, c'est l'allumage du second étage une dernière fois. Donc ça va être très très bref, hein, ça va durer une seconde à peine. Juste pour venir circulariser l'orbite en fait. À son périgée, là il va envoyer la patate, donc au point le plus bas de son orbite. Pour avoir un périgée et une apogée égale. Donc du coup les faire disparaître. Périgée c'est le point le plus bas de l'orbite, apogée c'est le point le plus haut de l'orbite. Donc si vous voulez modifier votre apogée, vous faites une action sur le périgée. Et si vous voulez modifier votre périgée, vous faites une action sur l'apogée en fait. Alors Nicolas, alors c'est pas la plus grande invention, alors quoique, c'est une des plus grandes, hein, mais c'est surtout la plus chère en fait. La plus coûteuse de l'humanité. Ouais. Remets ta cam Alex peut-être. Et Tommy Tonnerre, merci. Là il fait nuit mais attends. Merci beaucoup pour ton abonnement et rejoignez-le, abonnez-vous vous aussi. Pour nous faire manquer. Et la prochaine étape, je crois que Welcome vient de l'expliquer, hein, c'est pour circulariser l'orbite. Tout à fait. Je vais remettre la cam tout de suite, Lucas. Oui, ben, oui c'est ça, Noah. Les panneaux solaires ils sont dans l'autre fusée. Et ils sont assez compacts en fait. Hein. Et après, ils se déplient. C'est assez bien fait. Comme on a pour la plupart des satellites, hein. Comme pour les Starlink. Hein. Il y a un énorme panneau solaire hein, qui se déplie ensuite. Hein. Alors que c'est quelque chose d'assez fin. Hein. Oui, qui tient même dans une soute de navette, par exemple. Ouais. Nathan, les tests de Starlink, ils ont été plutôt concluants, je crois.
Oui, puis il y a de plus en plus de monde, par exemple, sur YouTube qui partagent leur unboxing et leur déploiement de leur propre Starlink maintenant, parce que ça commence un peu à se démocratiser. JR en fait partie, donc peut-être que JR va nous faire un unboxing sur la chaîne, on sait pas. Et ça marche plutôt bien dans les faits, donc non, moi je serais pas aussi dur avec eux. Rotodica, oui, bientôt les 10K, enfin, j'espère, hein, pas bientôt, enfin, j'espère là. Et Anthony. Semaines, ouais. Ouais. Anthony, non, c'était pas fake. Moi aussi, je l'ai fait enregistrer son nom sur Curiosity. C'était en fait, c'est une espèce de petite clé USB, enfin, pas une clé USB, c'est plus complexe que ça. Une petite pièce métallique en fait, ou un espèce de petit CD en fait, finalement, où tout a été gravé en fait. Il y a beaucoup de noms qui ont été gravés, vous inquiétez pas, il y avait la place, hein, c'est que du texte de toute façon, ça prend pas énormément de place. Et cette pièce, elle est sur Rover, donc vous pouvez dire que votre nom, il est sur Mars. C'est beau. Alors pour les réunionnais, ça passera dans un peu plus de 90 minutes chez vous. Ouais, mais Nathan, attendons de voir ce que ça donne. Et puis évidemment, on a d'autres formules, nous, en France. Hein. C'est surtout pour... pense surtout aux gens qui n'y ont pas accès de base. Mm-hmm. Voilà. Qui eux ne sont un peu dans la capacité d'internet et qui doivent passer par ce service. Peut-être qu'en Corée du Nord, ils ont un petit peu plus d'internet. Oula, il y a un bug sur la carte, je crois. Oula, oula. C'est bon. Il y a un petit bug chez eux. C'est bon. Voilà. C'est qu'on a dû passer avec le relais de. Ouais, sur une autre station relais. Mmh. Ça arrive, ça, des fois. T'as rien raté, Toby, t'inquiète. Ouais, c'est ça, il vient de dire qu'on avait changé de signal. Et par rapport à SN15, celui qui me demandait Scrop, c'était comme Nightbot rappelle, c'était par rapport à la métaux qui était très mauvaise, de qui pouvait faire basculer SN15 après son atterrissage durant la nuit, enfin pour nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré la nuit. La carte, c'est SpaceX, Toby. Vers le sud pour les Français, après. Ouais, Jean-Louis, après, quand il récupère, il suspend le premier étage à une grue pour évidemment le débarquer de la barge. Ouais, après, ça peut durer plusieurs jours d'ailleurs de la mer. Ouais, le retour. La barge revient d'autre. Mais après, il y a un espèce de petit drone qui se place sous le premier étage. Et qui stabilise justement le premier étage en fait. Ça, c'était assez discret, mais je crois que tu l'avais vu, Alex. Oui, sur mon Twitter, suivez-moi sur Twitter, vous verrez, je retweete pas mal de photos comme ça, assez insolites. Ouais, on retweete les photos qu'on voit pas tout le temps sur les lives. Mais écoute, c'est Aurélien. C'est prise par des amateurs. Aurélien, on essaiera de postuler. Le mieux placé. Ouais, enfin, le mieux placé. Peut-être Élie aussi. Peut-être Élie aussi. On tentera, au recrutement de l'ESA, on enverra un petit CV, on sait jamais. On tentera, en tout cas. Le prochain, ouais. Le second étage ne revient pas, Enzo, il se consume dans l'atmosphère. Dans quelques heures. Apparemment, pour SN15, demain, la météo est pas bonne non plus, j'ai lu, donc à mon avis, ça sent pas bon pour demain, je pense encore. Ah, mince. Il va nous en faire baver, celui-là. C'est tant mieux, je suis pas là. Ah, bah ça, je peux. Ah, ça, oui, hein. Non, Enzo. On est en plein milieu de l'océan Indien. Ouais. Non, il reste encore plein de satellites Starlink à lancer, Ronnie. Hein. Il en reste énormément, ouais, encore 11 000. C'est pas fini du tout, c'est que le début, là. C'est que le début, c'est effrayant. Ouais. Ouais. Nous arriverons à 12 000 satellites Starlink d'ici à 2025. Ah ouais. Ouais, quand même. Sur les 43 000 prévus. Alors oui, Nicolas, ce projet était un très bon investissement. Étant donné que dans le médical, il y a eu énormément de découvertes. Bah non, dans le médical, il y a eu énormément de découvertes. Alors oui, par contre, ça rend pas de sous, c'est pas rentable financièrement, mais dans la recherche médicale, dans la recherche des matériaux, dans la recherche de tout, ça a été une énorme avancée. Hein. Et donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est une perte d'argent de faire ça. Hein. Alors 2020. Oui, toujours prévu, c'est Dear Moon, hein, le projet, Julien, dont tu parles. C'est pas mal. Toujours d'actualité. Ouais.
Ça va dépendre évidemment de l'avancement des Starship, hein, mais je pense qu'on est toujours bon là-dessus, d'ici 3 ans. Mais c'est quand même c'est un peu tôt, mais ça peut le faire. Alors oui, Chris, le bleu, c'est le prochain tour, et ça passe au-dessus de la Réunion, et de l'île Maurice, effectivement. On va bientôt intervenir au moment du rallumage de circularisation de l'orbite, qui va intervenir dans 2 minutes 30. Bon, après, ça passe un petit peu loin de la Réunion. Donc, bon, c'est quoi de Neuralink intéressant pour lutter contre des maladies comme Parkinson, etc. Alzheimer, je crois, ou plutôt Parkinson. Ouais, beaucoup de maladies. Ouais, c'est incroyable. Moi, je suis pour. Après, ça peut faire peur aussi. Hein. Ça peut faire peur de replanter une Ça peut faire peur, mais... Faut le voir sur un plan médical, après, faut pas le voir sur un plan de contrôle de la population, etc. Quoi. Ouais, parce que quand vous avez une personne qui a été dans le coma, qui peut plus marcher, qui aimerait juste ça, si on lui met ça, qu'elle arrive à marcher, vous imaginez, comment c'est que ce sera. Quand le prochain lancement de SpaceX, bonne question, je crois que c'est le 9 mai, René, si je me trompe pas. Je regarde. Ah ouais. Bon, oui, vas-y. Bah, je veux bien, l'astronaute, c'est aussi se comporter en équipage, être polyglotte, comme on dit. Ouais, oui. Polyglotte, polyvalent. Ouais, polyglotte, polyvalent, enfin vraiment être un homme à tout faire, quoi. Poly tout ce que tu veux. Ouais. Faut supporter être en équipage. Le prochain lancement pour SpaceX, c'est Starlink V1L27, donc Starlink 27, le 9 mai. C'est plutôt le 26, parce que nous on est sur le 25, lancement 26, et oui c'est le 9 mai, ouais, j'ai raison. Ah, moi c'est marqué le 27, non ouais, non, mais celui de ce soir, c'est pas Starlink 26, hein, c'est Starlink 25, attention. Hein. Il n'y a pas de Starlink 26 entre les deux. Ouais. Le Starlink 26, c'est évidemment le lancement, le 27e lancement, mais c'est parce que le premier avait raté ou quelque chose comme ça. Ça reste la 26e mission. D'accord. Alors regardez les amis, on va arriver sur... Il n'y a pas de date. On va arriver sur le rallumage du second étage. Ça va vraiment durer à peine une seconde, hein. Soyez attentifs à l'écran. À la télémétrie. Et oui, mais Lana, mon fond vert, hein, qui est toujours présent, on l'adore. On va régler ça, t'inquiète, Lucas. Et c'est parti, normalement, là, le rallumage dans quelques secondes. Space Overview, welcome, je crois que tu avais quelque chose pour suivre les satellites. Ouais, Satellite Tracker, application... Non, c'est Vincent, pardon. Ouais, c'était reparti. Vincent aussi qui avait. SatMap, ça s'appelle. SatMap, ouais. Il y en a beaucoup, mais... rallumage. Ouais. Petit rallumage. Hein. Ouais. Rallumage, voilà, ça dure vraiment, vraiment pas longtemps. C'est juste ce qui suffit pour circulariser notre orbite. Ah, j'ai un petit retard, moi, sur vous. Et voilà. Ça y est. Donc là, on a circularisé. Starlink 26 sera lancé après Starlink 27. Autant pour moi, Vincent, je suis trompé. Et prochaine étape, du coup, ça va être le déploiement des Starlink. Hein, d'ici une quinzaine de minutes, vous allez voir les satellites se décrocher en grappe pour venir chacun rejoindre son orbite. Ouais. Son orbite finale, ouais. Et pour ceux qui se demandent, les prochains, ça sera SXM-8 et CRS-2 qui auront lieu le 1er et le 3 juin. CRS-22, ouais. C'est CRS-22 qu'on va couvrir et SXM-8, c'est la suite des SXM-7 qu'on a couvert en décembre, janvier, qui elle apporte de la radio DAB, enfin numérique terrestre, pas mal de régions. Mm-hmm. Donc deux missions intéressantes à suivre, surtout CRS-22 qui a apporté du cargo vers l'ISS. Ouais, SXM-8, parce que ça sera pour le coup, à 6h25. Ouais, ça va être un peu tôt, je pense qu'on le fera pas par contre celui-là. Sauf que c'était vraiment des leftos. Après, il y aura GPS-3.5 le 17 juin. Ouais, j'avais déjà couvert une mission GPS à l'époque aussi, donc je vois de quoi ça parle. L'observation, de la navigation. Il y a encore pas mal de missions à venir. Ouais, il y a Falcon Heavy aussi en juillet, peut-être. On espère. Ouais, si on retire les Chinois qu'on peut jamais live. C'est vrai. Hein. Ah, si on retire eux, il y a quand même Soyouz.
Il y a quoi d'autre encore? Regarde tout, hein. Un petit condensé de tout ce qu'on a. C'est pas que je veux pas qu'on fasse pas SXM8, mais c'est un poil tôt quand même, Quentin. C'est à quelle heure? 6h25. C'est quand? Lancement? Le 3 juin. 3 juin. Non, 1er juin. 1er juin. On y arrive. Ça tombe quand? Ah, ça tombe un samedi. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not, hein. À voir. Why not. Ça peut se faire. Ouais, ça tombe un samedi, ouais. Ah non, le 3 juin, c'est un jeudi, hein. 5 juin, 3 juin. Ah, pardon. T'as confondu avec juillet. Non, le 1er juin. SXM8, c'est le. Ça tombe un mardi. C'est un mardi, c'est un peu problématique. On remarque avant d'aller au boulot. Hein. En soi, oui, en soi, peut-être. Pourquoi pas. Oui, et puis, on va se recoucher après, hein, voilà. Non, j'aurais pas le temps. Après, CRS22, ça tombe le 3 juin. Donc. Mais elle est prévue, de toute façon. Alors, au-dessus de la France, d'ici 45 minutes, les amis, là. Ce sera sur le trait bleu. Oui, Pochou, la Chine peut prendre de l'avance, beaucoup d'avance même. Ah bah oui, attention à eux. Ouais. Attention Starlink, à eux, hein, bah, vous faites 15 tonnes 6 divisé par 60 et vous aurez le résultat, mais je vais vous le donner. Je vais vous dire comment ça fait. 25 kilos. Non. 260. 260. C'est 15 600, ouais, kilos. Hein, c'est ça. Je parlais en tête. J'ai mal fait la conversion. 260 kilos par satellite. Ça fait lourd quand même. Hein. Ouais. Dites-vous que c'est à peine ce qu'une ville peut emporter. Quoi. C'est pas des nanosatellites. Ouais. Non. Ah, il y a les panneaux, le panneau solaire qui est assez lourd. Tous les moyens de télécommunication aussi. Bruno, écoute, après chacun en pense ce qu'il veut. Moi je suis favorable au projet personnellement. Oui, dis-moi. Pour le test de vol suborbital de VF03 de Virgin Galactic. Tu crois qu'ils vont le live, ça? Mais la dernière fois on n'avait pas eu de vol. Ah, de Virgin Galactic. Ouais, ah, ouais. C'était Virgin Orbit la dernière fois. Ouais, c'est pas Virgin. Bah pourquoi pas, peut-être qu'il va y avoir le nouveau vaisseau, le Spaceship 3. Le nouveau vaisseau qui va peut-être emmener des touristes un peu comme Manu Shepard. Bah, moi, mais là, je suis emballé par le ferme. Ouais, là, c'est le 2 qui fera un test de vol suborbital. Alors, juillet ou 2 juin? Il dit que ça doit arriver au mois de mai. Non, moi, j'ai vu cet été sur leur Twitter. Alors, Tommy Tonnerre, la fusée, elle va pas tomber sur une ville dans le monde. Hein. Elle va se consumer dans l'atmosphère. Ils savent pas où, mais elle va se consumer dans l'atmosphère. Il n'y a aucun débris qui va retomber sur quelqu'un. Salut, Raphaël. Bon, peut-être qu'ils ont pas mis à jour sur les applis encore. Oh, merci, Gilles. C'est super gentil. Merci beaucoup, Gilles. Bienvenue à toi dans la famille. Et... T'as les replays, hein, s'il faut, tu peux déléguer sur la chaîne, t'auras de quoi t'occuper. Enfin, des étoiles qui vont servir à quelque chose. Si Jérôme était là. Ah, si Jérôme était là, il t'aurait incendié. Mm-hmm. BN1, écoute, non, BN1 a été abandonné, Philippe, c'était juste un prototype pour un test prototype pour la construction de ce dernier. Mais BN2 va totalement changer en matière d'architecture, enfin de conception. Et ils vont tester notamment eh bien, le roulage et puis les moteurs, hein, les 8 moteurs centraux Raptor sur les 28 que compose le booster. Ah, et ensuite on aura BN2.1 ou BN3 qui fera un vol, un saut en juin ou juillet, on espère. Alors René, c'est SpaceX qui finance absolument tout, la fusée, les Starlink, tout, étant donné que c'est tout vient de la même entreprise. Il a appelé la nouvelle station ISS aussi. Nicolas, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisqu'on va faire un épisode là-dessus. Voilà, on tease un peu, mais on veut vraiment vous montrer tous les détails de ça et pas que vous soyez dans la comment dire, dans de la déformation. Enfin, vous ayez vraiment toutes les clés pour comprendre cet enjeu qui va quand même bientôt arriver à notre horizon. Bonsoir Duc, avec plaisir. Merci à toi d'être sur le live. Merci à vous tous d'être sur le live d'ailleurs. Mmh. On approche hein, du déploiement des satellites. Il est que un booster ou deux, j'ai pas compris Karim.
Alors, il y avait que un booster. Orbital, non. Non, ce sera BN3 qui sera orbital, ou BN2 points, ça dépend comment on l'appelle, mais ce sera le troisième prototype de Super Heavy. Ouais, ouais, Rafa, ouais, tout s'est bien passé comme d'habitude. Pour un Starlink, ouais. Ouais, c'est ça. On est bientôt sur la fin là, avec le déploiement qui va intervenir dans une dizaine de minutes. Bonne question, Ryzen. Ouais. Alors, c'est International Space Station, David Trax. La mission Starlink sera la première envoyée par Starship. Tu peux aller au-delà de 32, je pense que ça sera peut-être 50 ou 60, j'en sais rien. Il y a 16 levées de soleil par 16. Jour. Exactement, tu m'aurais enlevé les mots de la bouche. Ouais. 16 et levées, c'est trop cher, du coup. C'est ça. Ils font le tour de la Terre en 1h30, donc vous faites 24 divisé par 1h30, ouais. 24 heures divisé par 1h30, vous aurez le résultat. C'est International Space Station, Gravitrax. Bon, on attend le petit déploiement qui va intervenir sous peu. Ouais, Starlink passer dans le ciel avec la nouvelle peinture, c'est censé moins réfléchir à la lumière. Bonne question. Ça les réfléchit quand même, hein. Moins, mais ça la réfléchit quand même. Hein. Bien sûr que ça va vite, ça va à 8 km/s, Tony. Bien sûr, René, on sera là pour liver la sortie de Thomas Pesquet dans l'espace. Aussi, hein. Ah, oui. Ouais. Je l'avais déjà fait. Ça va être intéressant à suivre. Seul, mais c'est vachement intéressant. Ouais, je me rappelle. Alors, pourquoi on ne va pas récupérer le second étage? Parce que ça coûterait trop cher. Merci à toi, Lana. Ça coûterait trop cher et il faudrait mettre trop d'ergols à l'intérieur pour pouvoir le récupérer. Donc, ça a été décidé que ça coûtait moins cher de le laisser se consumer. Ouais, ça coûterait trop cher. Le second étage est quand même plus petit que le booster principal, ce qui fait que vous pouvez mettre moins d'ergols. Donc, vous devez quand même le faire freiner de 26 000 km/h, ce qui est bien plus que le premier étage. Donc il faudra une quantité d'ergols trop importante. Je suis d'accord. 550, Julien, ils sont plus haut que l'ISS. Ouais, 150 km plus haut que l'ISS. Une révolution, Guillaume. Une orbite. Ça doit être un bonheur, enfin, ça dépend dans quelle division tu travailles, je pense. Un honneur, il a dit. Pas un bonheur, non, parce que il y a un énorme stress. Hein. Je pense pas, ils sont quand même soumis à de grosses pressions en termes de deadline et tout, mais après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, pourquoi pas, pas l'interview d'un employé chez SpaceX, mais ce serait cool de pouvoir se rapprocher des manières inside, dans les coulisses un peu de ce qui se passe là-bas, mais bon, c'est un peu compliqué. Merci Guillaume. Alors, tu peux pas postuler, Karim, chez SpaceX, étant donné qu'il faut être citoyen américain, pardon, pour pouvoir bosser chez SpaceX. Ouais. Ce sera fin octobre, Tom. Le seul moyen de bosser chez SpaceX pour nous Français, c'est d'aller aux États-Unis, faire naturaliser américain, et éventuellement, ça marchera. C'est-à-dire, Nicolas, je comprends pas ta question. Ils sont sur une orbite auxiliaire, les satellites, c'est-à-dire. On a dit qu'en Europe, on se concentre plutôt sur la propulsion CH4 LOX, mais je ne sais pas si l'info est fiable. Alors oui, notamment avec les moteurs Prometheus, qui vont équiper Ariane Next, pas Ariane 6, attention, parce qu'Ariane 6 c'est encore Vulcain et un peu la même technologie que Ariane 5. Mais les futurs lanceurs européens vont utiliser ces combustions. Alors Gravitax en français, c'est Station Spatiale Internationale. Bah, dédicace à Raphaël. Ouais. Dédicace à ta copine. T'es passé combien de fois au-dessus de la France? Une seule fois pour l'instant. Tu parles des Starlink, Gindas? Bonne soirée à toi, Lana. C'est déjà le cas, Lorenzo. Ils ont déjà internet au débit en station. Bisous, Lana. Bisous à toi, Lana. Bon. Ça arrive. D'ici une petite dizaine de minutes. Ben 2 va-t-il vraiment faire un tir statique le 20 mai? Non, mais c'est une date qu'on avait prévue, mais ça va glisser. Rien. Ça va être en juin, je pense. Ils ont pris du retard SpaceX avec SN15 là. Et, je me rappelle, ça fait 2 semaines qu'ils sont censés le tirer quand même. Ça m'étonne pas, je l'avais dit.
Oui, Lucas. C'est ta faute. Lucas, tu nous as porté la poisson. Moi, ouais, j'avais dit. Les équipes de SpaceX. J'avais dit la nuit de mercredi à jeudi. Et je pense que ça va être encore plus tard. On pourra voir le train si on l'a raté la première fois. Alors oui, mais il y a des chances de le voir aussi demain soir, hein, le train de satellite. Hein. Alors oui, René, Thomas Pesquet, on a des nouvelles. Il s'est très bien habitué, étant donné qu'il connaissait déjà. Hein, donc il a pas eu de mal à s'habituer à la pesanteur. Et ils ont déplacé du cargo un peu dans l'ISS ces derniers jours-là. Ouais, de la glace dans la caméra, c'est logique. Ouais, une belle couche de glace d'ailleurs. Ouais, il y a de la glace qui s'est formée sur un des jets. Parce que là, il y a un jet normalement qui sort à cet endroit-là. Ouais. La température qui est à moins 170 degrés hein, à l'ombre de la Terre, je vous rappelle. L'extérieur dans le vide spatial. Merci Gravitax. La courbure de l'atmosphère, regardez la petite courbure de l'atmosphère là, magnifique. Alors, non, ils sont pas en orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire est beaucoup plus loin. Là, ils sont en orbite basse. 36 000 km, je crois, ou 38 000 km en orbite géostationnaire. Où se situe. Alors, un géostationnaire au-dessus des pôles, c'est pas possible. Non. Le géostationnaire est forcément sur l'équateur, en fait. Vous pouvez pas vous mettre un géostationnaire au-dessus d'un pôle. Étant donné qu'il tournera à la même vitesse que la Terre, au-dessus des pôles, il n'y a pas de rotation. Si vous êtes pile au-dessus du pôle, la Terre ne tourne pas. Comment ça s'appelle un crime dans l'espace? Je sais pas du tout. Comment ah, comment s'appelle un crime dans l'espace? Oula, oui. Question, Anton. Est-ce que c'est une espèce de blague ou... La première fois que je vais voir la séparation en direct. Je ne regarde pas nos replays. Un crime sans gravité. Sans gravité, voilà. Ce gel-là, non mais ça a bien gelé, là. J'en étais sûr. Alors, checkez bien, on arrive au déploiement. Ça a continué de geler même, hein, ça a grossi. Ouais, voilà, merci pour la précision. J'espère que c'est, froid, c'est bon, Gilbert, ce que t'as mis. Mais 22h54 vers Marseille, donc à partir de 22h50, sortez dehors et regardez au sud. Ah, raté, Tommy, tu vas avoir le déploiement dans pas très longtemps qui va intervenir. Ouais, dans environ 3 minutes. C'est marrant parce que c'est la première fois qu'on voit de la glace comme ça sur au-dessus de la tuyère. J'ai jamais vu. C'est pour ça que j'insiste un peu dessus parce que moi j'ai jamais vu ça non plus. On va passer au-dessus de la Nouvelle-Zélande, pratiquement au-dessus de chez Rocket Lab. Ouais. Au-dessus de Maya. Rocket Lab qu'on suivra d'ailleurs le 15 mai pour un nouveau vol, hein, je vous le rappelle.
la 20e mission de l'entreprise. Non, Anthony, alors, en fait, ça, on parle de train de satellite parce que au moment du déploiement, t'as la grappe qui est comme ça, et petit à petit, elle se sépare, et du coup, il y a plein de satellites qui suivent à la queue leu, donc ça forme un train, et après, au fur et à mesure, il s'éloigne, et du coup, après, ça ressemble plus à un train. Et c'est pas pour remplacer les satellites HS, hein, c'est du satellite pour Starlink, pour SpaceX. Et là, le soleil qui se lève sur la tuyère, c'est magnifique. Bon, vers 22h50, tous les Français, je vous le dis, à 22h50, vous sortez tous dehors, direction sud, sud-est, sud-ouest. Vous cherchez des points lumineux assez proches, qui ne scintillent pas, qui restent allumés constamment de la même intensité et qui vont très vite. Donc là, vous allez voir que normalement, il devrait manœuvrer sur lui-même et larguer la grappe, si tout va bien. Ah, regardez le lever de soleil, attends, je vais mettre le direct, pardon, parce que là... Je suis en décalage avec vous. Je suis en décalage. Alors, Raphaël, ici, on lance des satellites Starlink, hein, pour l'internet au début. Ça y est, regardez sa manœuvre. Il est en train de s'orienter pour le largage. Allez. Tout à fait. Alors, pas forcément, non, les satellites peuvent aller sud-nord aussi. C'était sur une orbite polaire. Par exemple, Rocket Lab le fait souvent. Ouais. Donc là, regardez bien, il y a la barre centrale qui va se détacher et ensuite toutes les grappes vont s'enlever. Ouais. Alors, non, pas du tout, Nicolas. L'attraction terrestre, elle va sur des millions de kilomètres. Hein. Ouais, mais ça, j'avais vu. C'est son intensité plutôt. Ça y est, déploiement qui a commencé. Et là, allez, vous voyez la crosse qui s'enlève. Avec le lever de soleil en plus en même temps, ouah, c'est insane là. Et voilà, toute la grappe. Donc si ce soir vous avez la chance de les voir, vous allez voir le reflet voilà, de ces satellites, cette grappe. Regardez, c'est magnifique. Je vois des images qu'on voit rarement quand même. Hein. Ouais, on a que des belles images ce soir, vraiment. Mis à part l'atterrissage qui n'était pas totalement visible, mais franchement, sinon c'était impeccable. Et voilà. Bon, j'ai bien vu quand même. Hein. Ouais. Avec le lever de soleil, là c'est quand même assez incroyable, on a une vue de dingue. Prochain Starlink le 9 mai, maintenant. Dans 5 jours. On va être là, je pense que je vais le planifier quelques. En plus, c'est dimanche, donc parfait. Et voilà. C'est la fin du live SpaceX. Donc les amis, ouais. 22h50, vous sortez dehors, vous regardez sud-est, ouais. Sud-ouest, ok. Enfin sud-ouest, pardon, sud-est. Au sud, assez haut en altitude, vous allez voir des points lumineux passer très vite. Normalement, si vous n'avez pas de nuages, ce sera les satellites que vous venez de voir à l'écran. Ouais. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, en tout cas les amis. Je sais pas si vous avez d'autres indications à donner, l'équipe. Mais en tout cas, moi je tiens. Non, pas plus. J'étais très content d'être avec vous ce soir, malgré le fait que ouais. SN15 ne soit pas parti. Malheureusement, ça aurait pu être beau. Je vous tiens au courant en tout cas avec les autres sur les réseaux sociaux et sur la chaîne, en onglet communauté. Donc, suivez-nous sur les réseaux pour être tenu au courant de si ça part ou pas, si on live ou pas. Parce qu'à mon avis, je pense pas que ça va partir demain vu la météo qui est annoncée. Ouais. Nous, on se retrouve pour le prochain live, soit Starship. SN15, soit le prochain Starlink ou autre. De toute façon, vous avez tout le lien sur la chaîne pour le Starlink 27 qui a lieu le 9 mai. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir liké, d'être abonné pour ceux qui l'ont fait, d'avoir donné pour ceux qui l'ont fait. Merci Karim, beaucoup. Karim. Je réponds juste à la question, est-ce que dans l'ISS on respire comme sur Terre? Oui, c'est pratiquement pareil. Et... Merci à tous, en voilà. Tout cas, d'avoir été présents. Voilà. J'espère que vous arriverez à les voir ce soir. Et puis on vous laissera avec notre petit teaser. On a lancé la marque de vêtements, donc n'hésitez pas si ça vous plaît à venir en message privé Insta, Twitter ou Facebook pour acheter un petit pull, un petit t-shirt ou autre chose pour nous soutenir. Les réseaux sociaux sont en description, les amis. N'hésitez pas. Et puis merci à toute l'équipe d'avoir été présente avec moi. Un grand plaisir. Et Ellie. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Bisous tout le monde, bonne soirée, ciao. Ciao les amis, merci à tous, bye bye. Et n'oubliez pas ce soir, 22h50, dans votre jardin, sud-ouest, sud-est.
ciel. Allez. Sont enfin la marque de vêtements et accessoires. On est en train de développer la boutique en ligne, donc malheureusement pour le moment il faudra qu'on passe par d'autres moyens de paiement, car pour le moment on n'a pas les autorisations pour vendre des articles. Et donc pour ça c'est très simple, comme vous avez pu le voir dans le teaser, chaque vêtement porte un nom d'une étoile, et donc si un des articles vous plaît, il suffira de faire un don avec le nom et la somme de l'article. Pour les infos privées, on vous invite à passer par Instagram, Twitter ou Facebook. Vous étiez vraiment nombreux à nous demander des vêtements, alors voilà, on l'a fait, et on espère que ça va vous plaire.